Ya, konnichiwa ne, Choshido. Yo, salut à tous, c'est Kinox. J'espère que vous allez bien, les amis. Alors, les amis, ce soir, on va dire, sur une découverte, Planet Zoo. Ça fait quelque temps que je vous parle de ce jeu, ça fait très longtemps que je l'ai, et finalement, j'y suis jamais venu, donc j'ai fait les tests. Le jeu tourne en full 2K, full quality. On va voir ce que ça donne, du coup, sur le stream. L'idée ce soir, ça va être d'ouvrir le zoo, de créer la franchise, de voir ce que ça donne, et puis, bah voilà, on se lance. Let's go! Salut Polonium, comment vas-tu? Alors, on est parti. Alors, comme je l'ai indiqué dans le titre, on va jouer en mode franchise. Donc, on n'est pas en bac à sable, on est en franchise, c'est-à-dire qu'on va partager le système d'échange planétaire avec les gens qui participent à l'écosystème du jeu. Et puis, on va partir en difficile, je pense, si on peut choisir une difficulté. J'en ai aucune idée. Donc, on part en mode franchise. Bienvenue dans votre franchise. Comment voulez-vous l'appeler ? S'il ne vous plaît plus, pas d'inquiétude, vous pourrez le modifier ultérieurement. Alors, la franchise, ça doit être le nom de l'établissement, hein. Voilà. Comment on va appeler ça ? J'en ai aucune idée, les amis. Réfléchis, planète. Non, j'en sais rien, les gars. Et qui lande ? Lol. Salut, la L. J'en sais rien. Oh, déjà, ça part bien, les gars. Oh là là. Comment on va appeler notre franchise, quoi ? Parce qu'on peut créer plusieurs zoos, on peut faire plein de choses. Donc, mais la franchise reste la même. Hein. Comme une franchise de marque commerciale. Donc, comment on pourrait s'appeler ? Est-ce qu'il n'y a pas un jeu de mots ? Alors. On va l'appeler conservation équitable. Ah, c'est trop long. Donc on peut pas avoir conservation équitable. J'en sais rien, les gars. Salut Vink, comment vas-tu ? Ça parle d'animaux, ça parle de planètes, ça parle de zoo. Equinimals, voilà, c'est parfait. On va s'appeler Equinimals. Comment allez-vous bien, les amis? Allez, Equinimals, je suis prêt. Hop. Et on choisit maintenant. Alors, comment ça se passe? Ok, création, nouvelle récompense. 100 points de conservation. Super, je prends. Equinimals, avec une bonne peau de serpent. Question de la franchise. Logo, bannière. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bannière, les gars? Les petites bulles, non. Le serpent orange. Les petites feuilles. Je pense que les petites écailles, c'est pas mal, finalement. Au niveau logo, qu'est-ce qu'on va se mettre? Alors, si on met une photo d'animal, c'est compliqué parce qu'on va sauver tous les animaux, hein. Donc on va plutôt se mettre, du coup, une petite fleur, peut-être.
Voilà, Equinimals, avec une fleur. Nombre d'oiseaux, zéro pour l'instant. On n'a rien fait hein, au niveau planétaire, bien évidemment, mais voilà. On est bon. Hop, Equinimals. Du coup, les amis, hop, on va démarrer, je pense, pour le premier zoo. On va démarrer en Europe, climat tempéré. Alors, il y a toute la planète avec les différents biomes, climat. On va démarrer en Europe parce que pour le premier zoo, ce sera plus simple. Et puis, c'est chez nous, quoi. Voilà. Salut Fama, salut Inimo. Salut Endoy. Uniquement un DLC, uniquement le DLC de maritime. Vink. Uniquement celui-là. Donc on est parti, on va partir, j'ai dit, en Europe. Donc ici, climat tempéré, pouf. Donc on va sélectionner un biome. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire. Bah, il me met le serpent alors que j'ai changé, hein, j'ai mis la fleur. Sélectionner un continent, Asie, Europe, Amérique du Sud. Donc on prend l'Europe. Difficulté, donc on a dit qu'on partait en difficile. Qu'est-ce que ça change? Alors, hein, difficile, attendez-vous. Un bien-être animal plus difficilement gérable. Des animaux qui stressent rapidement, qui meurent plus vite. Oula, qui se lassent des optimisations. Oulala, oulala, oulala. Des visiteurs qui apprennent moins. La satisfaction qui baisse plus vite. On va peut-être pas faire ça, hein. Ça me semble difficile. C'est le cas de le dire, je connais pas le jeu, hein. Donc, on va peut-être partir en moyenne, finalement. Ouais, des animaux qui se lâchent pas des optimisations. Quoique, on ose ou pas. Ils ne demandent pas à être remboursés. Non, et on est un winner ou on n'est pas un winner. Quoi, on part en difficile, les gars. On verra bien, hein, de toute façon. On va partir sur un terrain plat. Et le zoo, on va l'appeler, du coup... Alors, Equinimals, pour l'entreprise. Hein. Et le premier zoo en Europe, ce sera... qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme nom en Europe? Salut Mystique, comment vas-tu? La franchise Equinimals ouvre son premier zoo en Europe et il va s'appeler... Alors ça va être... Equilibris. Voilà. Parce que nous on s'équilibre et on va essayer d'équilibrer déjà le budget. On est en difficile, donc Equilibris, le premier zoo en Europe. Ce sera très bien. Le son est un peu fort, on va baisser ça juste après le démarrage, Endoy. Merci. Toujours, hein, on est en live, donc n'hésitez pas à me dire. Hein. On y va. Donc terrain plat, parce que ça me semble bien pour l'instant. On pourra toujours modeler le terrain comme on veut après. Premier zoo Equilibris, de la franchise Equinimals. On part donc du coup sur un biome tempéré, ouais, en Europe. Et on crée avec 100 points, c'est ce qu'ils nous ont filé en fait. Ils nous les reprennent direct, quoi. Ils sont pas sympas, ils nous les filent pour les reprendre. Allez, équilibré, on y va. Pouf! Let's go! Les animaux déplacés en quarantaine sont nourris. Peut-être pratique en cas d'urgence. Okay. C'est nourri gratuitement, j'espère. Alors, on est dans le jeu, ok. Pas de problème, ça marche. On va régler les sons maintenant, ça c'est le menu. Ouais. Alors, paramètres audio. Et volume, oh oui, la musique. Je l'avais baissé, mais ça n'a pas conservé, les gars. On va mettre la musique à 50. On va mettre les sons... Ah, on peut monter au-dessus de 100, c'est marrant ça. C'est rare ça. Les voix et musique du zoo. On va mettre les musiques avec le volume de la bande son. À 70. Vous me direz ce que ça donne, hein, comme d'habitude. Désactiver les musiques du zoo. Pourquoi? Je sais pas. Couper les autres sons. Non. Jouer la bande son en mode pause. Non, ça me semble bien. On y va. Alors, pouf. Donc on est sur notre zoo, les amis. Donc voilà l'espace de jeu. Alors pourquoi je connais l'espace de jeu alors que je découvre le jeu? Parce que j'ai testé si tout à l'heure il fonctionnait bien sûr. Si je pouvais stream, si je pouvais stream en 2K, on peut, donc on y va. Donc l'espace est quand même assez grand, hein, parce que si on regarde, donc là, nombre total d'objets, 53. Donc ça c'est l'entrée du zoo, hein. Donc le jeu est quand même super beau, faut le reconnaître. Tout ça c'est la zone dans laquelle on va pouvoir construire, la zone qui est ici, on voit le trait de délimitation. Ça semble petit mais ça ne l'est pas les amis, hein.
Salut, Doc, comment vas-tu? Alors, on y va. Donc, on va commencer par créer une entrée. Je ne connais absolument pas tous les menus, les interfaces. N'hésitez pas à m'aider hein, si vous connaissez le jeu. En plus, on est en difficile. Donc, surtout, alertez-moi si je fais les bêtises. Hein. Centre d'échange, atelier, zone de quarantaine. Tout ça, c'est ce qu'il faut, j'imagine, au départ, pour que ça puisse ouvrir. Cabane de soigneurs et tout. Alors, on va commencer par poser les bâtiments techniques. Je suppose que tout ça, c'est dans les bâtiments techniques. On va les poser. Et puis après, on agencera le côté déco. Hein. Mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Alors, terrain. Ok, allez. Ok, ça c'est cool. On peut ouvrir les menus. Il y a tout un tas d'options. Mouvement, pivot, centré. On va regarder ça. Il y a des files d'attente. Des files d'attente pour accéder quoi? À des spectacles, peut-être? Allez, employés, ok. Ils n'ont pas la même couleur. Alors, on va partir sur l'entrée principale du zoo. Le côté design, alors il y a beaucoup de design hein, dans le jeu. Ça ressemble un peu à un. Je comparais de loin, hein, c'est pas du tout le même jeu, mais un City Skyline avec le côté vraiment design. Parce qu'on peut vraiment faire des choses incroyables. Hein. On peut poser un objet par un objet. Hein. Je partirais bien sur des planches en bois, pourquoi pas. Hein. Ah, ou quoi de la pierre peut-être. Hexagonal, ça donne quoi ça? Ouais. Alors, déjà, aligné sur l'angle. Non. Longueur, on va faire des portions de 5 mètres. Ok. Largeur, 6 mètres. Ça me semble pas mal, 6 mètres. 3 mètres de chaque côté pour les entrées-sorties. Ouais, ça me semble pas mal. Pour être sucre, ouais, tu m'étonnes qu'elle galope. Ok. Je pense que 6 mètres c'est pas mal. Est-ce que pour l'allée principale. Ah, 10 mètres c'est beaucoup trop. Ah bah ouais, non. Quoique c'est une allée principale, les amis. Peut-être que l'allée principale on pourrait faire large. Hein. C'est l'allée principale après tout. Hein. On va pas forcément la faire droite. On va. De toute façon, on peut tout modifier après. Écoutez, on va avancer comme ça. On est sur des longueurs de 5 mètres. Donc, on va partir un peu comme ça, et puis après, on verra. Vous le savez, hein, moi je crée, et puis après, on voit ce qui se passe. Hein. Ok, donc là, on a une allée principale, donc qui va avancer droit. On va poser les bâtiments nécessaires. On est fermé pour l'instant. On est en pause. Hein. Comment je sais si je suis en pause là? Non, si je suis en pause, hein, c'est allumé. Play. Je ne sais pas si je suis en pause. 20 mars. Non, le temps avance. On est en pause. Ok, 13h35. Parce que déjà, le temps il avance alors qu'on n'a rien fait. Hein. Alors, visuellement, c'est quand même super beau. Hein. Il n'y a pas à dire. Ok. Donc, on va poser les bâtiments nécessaires. Un centre d'échange, un atelier. Alors, clôture, habitat naturel, service peut-être. Peut-être ça. Vivarium, service visiteur, non. Service personnel, ouais. Ça doit être ça. Ok. Un centre d'échange, un atelier. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est vraiment les ateliers tout blancs de base. Et ça, c'est Planet Zoo Atelier. Ça, c'est les centres de recherche classiques. L'atelier blanc ou l'atelier Planet Zoo. On va mettre les trucs Planet Zoo, non? Ah, c'est plus cher. On a 39 000. 200 points de préservation, ce qui est pas énorme parce que les animaux en fait, quand on est en mode, si j'ai compris, hein, quand on est en mode en fait franchise, les animaux sont partagés sur la planète et ce sont les joueurs en fait qui relâchent les animaux dans la nature ou qui les mettent à disposition pour d'autres zoos, dont le mien que je crée ce soir. Et donc on peut pas acheter tous les animaux comme ça en fait. Il y a des animaux que l'on récupère avec de l'argent, il y a beaucoup d'animaux qu'on ne récupère qu'avec des crédits de préservation. Donc le contenu téléchargeable que vous ne possédez pas. Ben, je ne veux pas l'afficher, hein, du coup ce que je n'ai pas, ça ne sert à rien. Ok, donc il y a un workshop également, mais je n'ai chargé aucun mode. Hein. Alors on y va. La cabane de soigneur. Non, on va laisser tout. Il nous faut du coup centre d'échange. On y va, hein, de toute façon on va les mettre. Alors on va mettre les versions peut-être moins chères du coup. Je ne sais pas s'il y a un impact, hein, parce que par la suite, j'imagine qu'on en débloque sur des thématiques, peut-être, je ne sais pas. Donc, je pense pas que là, ça change le côté visuel. Hein.
Donc on va mettre les blancs qui sont moins chers, faut être honnête. Centre d'échange, centre de recherche, centre d'échange. Oui, les bâtiments, c'est tout petit, on a l'impression que la map est petite, mais non, non. Alors, on pourrait faire une petite allée, par contre, pour poser ces bâtiments, peut-être. On va faire une petite allée technique réservée au personnel. 1$ par mètre. Ah, ça coûte, hein. Pour le personnel, on va mettre des allées en rouge, peut-être, que ça se voit bien. Donc, ça se positionne, et puis on les fait partir. Donc, on va les faire partir par là-bas pour l'instant. On changera peut-être tout ça après. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, oh, j'ai changé quelque chose, là. On peut annuler, ça? Je ne sais même pas comment j'ai fait ça, les gars. On remet ça. Voilà, ok. Personnel, rouge. Ah, comme ça, d'accord, ok. On va peut-être pas faire une longueur de 10, là. On va faire, pour le personnel, on va faire 4 mètres. Je pense que c'est assez, hein. Et on va faire des portions de 3 mètres. Les allées personnelles, ils ont pas besoin de se balader. Ah, quoi qu'il y a peut-être des bagnoles. On va faire 4. Peut-être. Je sais pas s'il y a des voitures ou des véhicules, hein. Donc voilà, l'allée principale, mais les autres on va faire plus petit. Donc pour l'instant, on va faire 5 mètres. On va partir comme ça, on va mettre les bâtiments là, que les gens les voient pas forcément, quoi. Je suis pas certain que ce soit très, très joli. Comment on peut supprimer des morceaux? On clique dessus, ok. C'est hyper facile, on clique sur la portion, vous voyez, on peut la modifier ou la supprimer. Alors, on va mettre les bâtiments par là. Ah, je pense que ça doit être bon. On va voir. Donc on y retourne. On avait dit service. Centre d'échange. Est-ce que ça s'accroche? Comment ça marche? On peut tourner les bâtiments. Ok, ça s'accroche même dans tournant. Ok, bah c'est nickel ça. On va les mettre là pour que les gens les voient pas. On va les tourner comme ça. Ok, ça crée automatiquement une accroche. Alors le centre d'échange. Modification de groupe. Je sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas. Un atelier, une zone de quarantaine. Ok, alors ça c'est pour les animaux. On va peut-être mettre la zone de quarantaine à côté. Petite zone de quarantaine. Tout de suite, on en est à 4000 balles. Hein. Pourquoi je peux pas le tourner, ça? Ah, parce qu'il est en train de me coller une zone, en fait. Ah, je veux pas ça, moi. Non, quitte. Parce que sinon, vous voyez, je peux pas le tourner. Il me crée en fait une zone liée à l'autre bâtiment. Alors ça peut être utile certainement dans des cas, hein, je sais pas. Ok. Et je veux pas faire des groupes en fait. Non, 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 ça paraît. Un atelier. Alors là on a l'échange animaux, la quarantaine. Il me faudrait le soigneur peut-être à côté, peut-être avant. Vétérinaire. Alors les interfaces ont l'air assez simples, hein. On a le petit logo au-dessus, ça c'est simple aussi de s'y retrouver. On quitte. Okay. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? J'imagine que tout ça, ça coûte de l'argent aussi parce qu'il nous faut des employés. C'est ça, si on veut aligner par exemple. Alors, Endoy nous dit, pour ce qui est des bâtiments type personnel et vivarium, au début, tu n'as que quelques bâtiments. Mais ensuite, tu pourras créer tes propres bâtiments, pièce par pièce, ou en trouver sur le workshop. Ok. Très sympa. Très sympa dans l'idée, hein. Bon là on le met en préfabriqué, hein, parce que c'est vraiment du préfabriqué. Hein. Donc on a dit un atelier. On va regarder à quoi ils servent surtout aussi. Parce que c'est bien joli de les poser, mais je sais pas quoi ça sert. Comme ça, l'atelier. Donc je crée pas de groupe, hein, je sais partout, on verra. Un centre de recherche, une salle du personnel. Donc le centre de recherche, on peut le mettre là. Centre de recherche petit. Salle du personnel petit, centre de recherche petit. Donc je suppose que le centre de recherche, parce qu'il y a des recherches à faire pour débloquer des choses, genre tout ce qui est bouffe, commercial, peut-être pour le bien-être des animaux également. Hop, ok. À chaque fois c'est 1000$ quoi, il n'y a plus que 28 000. Je sais même pas si on va avoir de quoi acheter un animal quoi. C'est un truc de malade. Mais bon, j'imagine qu'il faut bien ça. Hein. Cabane de soigneur, bah j'ai pas mis. C'est quoi ça que j'ai mis là? Je peux pas savoir ce que c'est. Le plus c'était quoi? Ah non, j'ai mis un vétérinaire. Ah et le veto c'est quoi? Ils sont malades. Le soigneur c'est celui qui les entretient. Ok, donc le soigneur on peut peut-être le mettre plus près du coup. Comme ça. Cabinet vétérinaire. Soigneur. Ouais c'est ça. Ouais ok.
Ok. Et il nous faut une salle du personnel pour se reposer, donc ça on peut la mettre un peu plus loin peut-être, ici. Je sais pas du tout à quoi ça correspond tout ça, mais bon. Et on va rejoindre peut-être ça. Donc on quitte le groupe encore une fois. On reprend une allée rouge. On va poursuivre l'allée. Les gens le voient pas ça, mais bon. Que les gars puissent faire un aller-retour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils puissent y aller sans faire tout le tour. Bon, on est pas mal pour l'instant. On pourrait donner... te donner plein d'infos, mais plein de choses sont super intuitives. On essaiera de répondre à tes questions. Enfin, bah, merci beaucoup, Enoï. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que ça donne en termes d'image et surtout de son. Est-ce qu'on est good ou pas? Est-ce qu'on entend suffisamment les sons quand je pose les blocs, etc. Donc, ça s'est posé. Maintenant, on a gagné quelque chose. Alors, adopter des animaux de vivarium pour gagner 1000$, ouais. Nombre de visiteurs, 1000 visiteurs, au moins... Non, pour 1000$, 300 visiteurs, ok. Donc ça, c'est des petites missions, quoi. Défi simien. Relâcher les chimpanzés Verus 4 dans la nature. Il reste 0 minute. Bon, bah, il est terminé, l'objectif, quoi. Contribution personnelle. Bah, j'ai rien fait, puisque je viens d'arriver dans le jeu. Écoute, le jeu, je... ne m'en veux pas, je n'ai rien fait pour l'instant. Donc on a tous nos bâtiments de base. J'imagine que maintenant il faut prendre du personnel. Alors le personnel, j'imagine que c'est... Ah. Ouh. D'accord, bon, sécurité, ok, bon. Les locaux, ça ressemblait à quoi ça? Ah, c'était plus joli, hein. ouais, c'était plus joli. Ça, ça aurait pu être posé là, quoi. Mais ceux-là, enfin, on voit vraiment que c'est du préfabriqué, hein, regardez. Hein. Il y a ce qu'il faut dedans, mais c'est à peine fini, quoi. C'est... Ouais, ça, on pouvait pas les mettre en visuel. Hein. On a deux longueurs de 5 mètres, on va avoir 10 mètres, là, d'écart. Pas mal. Alors, le personnel, c'est pas là, c'est où? Zoo, peut-être? Alors, général. Équilibris, hein, donc le zoo. Pas d'animaux pour l'instant. Prix du billet, ok. On va payer de la taxe. Pas de satisfaction, c'est normal, il n'y a pas de visiteurs, on est fermé. Ça, c'est le nombre que l'on a. Donc, il nous faut un chat, j'imagine. Minimum. Passer les animaux. Graphique, visiteurs. Énergie, faim, soif, toilette. Ok, éducation, ouais. Poubelle. Objet du zoo remplaçable. Tout remplacé. D'accord, il casse des trucs. Ok, super. Finance. Animaux. Donc, j'ai pas d'animaux pour l'instant. On est bien d'accord. Dans les différentes zones. Ok, facile. J'apprends les menus vite fait, hein. Ah d'accord, le recrutement. Donc il va me falloir, du coup, je pense, hein, au moins un mécanicien, parce qu'on a posé un truc de mécanique pour entretenir le tout. Kerry Carrier, il est de niveau 1, ça doit progresser en fonction. Ça c'est le salaire, ouh vache. Ça me coûte 1000, j'ai pas une thune qui rentre. Hein. Satisfaction, énergie, ok, ok. Il va me falloir au moins un soigneur. Pour les animaux. Vétérinaire, il m'en faudrait au moins un aussi, je pense. L'agent part trop vite. Bah, on est en difficile, Famas. Ouais, je sais pas. Pour les animaux, la difficulté de tout ça, là. Mais l'argent part vite. Pouh, j'ai rien fait encore. J'ai mis que le minimum vital, quoi. Il me faut un veto, j'imagine. Hein, s'ils sont malades. Et qu'est-ce qu'il me fallait d'autre là? J'ai un mécano, un soigneur, un veto. J'ai pas de visiteurs, donc j'ai pas besoin d'agent de sécurité. J'ai pas de boutique, j'ai pas besoin de vendeur. L'agent d'entretien, bah y a personne dedans pour l'instant. Donc on se content. Lui il est pas. On sait pas pourquoi déjà. Alors pas de zone de travail. Créer une zone de travail. Ok, on va regarder ça. Alors on met en play. Bing, il tombe. Il se balade. Alors, visuellement, c'est super. Hein. Ah, vache. Pas d'électricité pour le salaire. Oulala, oulala, oulala. Attendez, c'est quoi ça? Ah, oh, vache, il y a une zone d'action. D'accord, donc là, on a l'électricité. Ok, donc on remet en pause. Parce que sinon, on va déjà être dans la marne. Donc, il n'y a que ce bâtiment-là et celui-là qui a de l'électricité. Donc pas d'électricité. Il nous faut aller dans les bâtiments techniques. Service. Locaux du personnel, non? Technique. Utilitaire.
Régulateur de température d'eau, traitement d'eau, transformateur. Ouf, vache, 2000 balles. J'imagine que l'eau c'est pareil, ils en ont pas? Au niveau des employés, la gestion de zones de travail est importante, car un employé sans zone de travail ne fera rien. D'accord. Après, c'est à toi de t'organiser selon tes souhaits. Zone savane, reptile. D'accord, Endoy, ok, merci. Très intéressant les conseils que tu me donnes, les infos, les tips. Comme ça, c'est très bien, change rien. Donc là, ok, ça étend la zone, ça se cumule. Donc pour l'instant, j'étends là. Est-ce que je peux pas le mettre plus à droite? Parce qu'on va partir à droite du coup. Alors je me suis fait avoir, il va falloir que j'en achète un autre quoi. Vous voyez, je veux partir à droite pour pas être en visuel des bâtiments. Donc forcément, il va me falloir deux machins électriques. Donc, je me fais déjà avoir. Je perds déjà 500 balles. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ça se démonte après, certainement. Et puis, on peut récupérer les sous. J'espère. On va le mettre. Alors, est-ce que ça s'accroche ou pas, ça? Est-ce qu'il y a besoin que ça s'accroche? Oui, il y a besoin que ça s'accroche. Donc, on peut le mettre là. Hop. Puisque là, c'est la zone réservée au personnel. Hein. Les gens n'y viennent pas, donc... alors, on aurait pu mettre les autres derrière, mais non. On va pas faire de groupe. À quoi ça ressemble, ça? C'est un groupe, ouais, c'est un relais EDF, quoi. Électricité du zoo. Transformateur. Ah, il y a des éoliennes aussi. Des panneaux solaires. L'entrée du zoo, qui, elle, est une zone... Oui, on a vu qui donne. Pour l'eau, on verra s'il y a besoin après. Donc là, il y a de l'énergie. On remet en pause. En lecture. 14h01. Il n'y a plus de plainte. C'est-à-dire que ça marche. Transformateur. Objet connecté 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'il y en a qui n'en ont pas besoin, je crois avoir vu. Portée 80 mètres. Ok. Coût de fonctionnement annuel. Annuel. Bon, ça va. 1 000 $ annuel. Ça va. Attrait. Voilà, ça, il n'y a pas d'attrait. C'est normal. Appelez le mécanicien si ça tombe en rade. Objet connecté. On voit tout ce qui est connecté dessus. C'est puissant. Hein. La zone d'effet. Dernier chaque année. Alors, on va du coup. Le mécanicien, il faut qu'il entretienne tout ça. Alors, comment ça marche pour créer une zone? On va regarder. On va dans la liste du personnel. Donc, zoo. Personnel. Mécanicien. Carry. Créer une zone de travail. Alors, choisissez une zone de travail existante ou créez-en une. Ah! Comment on va l'appeler? On va l'appeler... Alors, première zone, tout simplement parce que je ne sais pas comment ça marche. Dans cette zone de travail et une autre. Dans une autre zone, dans aucune autre... Oh, pas mal! Ok. Donc là, j'ai mis tous les bâtiments dans la zone, première zone. Ok. Et le mécanicien, du coup, va intervenir sur tout ça. Parce qu'il est dans la première zone, si je comprends. Ok. C'est ça? Alors, personnel, il est dans la première zone. Donc, eux, on va les mettre pour l'instant dans la première zone. Voilà, ils servent à rien, il n'y a pas d'animaux, hein, mais c'est pour les mettre quelque part, quoi. Pour comprendre. Ok. Ok, ok. Ok. Alors, salle du personnel. Salle du personnel. On peut tout renommer, ça c'est cool. En fonction des zones, des quartiers, tout. Demande faible. Seuls quelques employés y ont accès. Bah, en même temps, ils sont qu'à 3, 4, hein. 3. 3 ils sont. Donc. Et bonus, santé, ami. C'est quoi ça? Ok, bonus appliqué. Sélectionnez un bonus appliqué à cette salle. Confère un avantage au personnel. Moins facilement débordé. Satisfaction augmentée. D'en apprendre sur leur travail. Alors, le mieux, ce serait de les booster, je suppose, au départ. Ah, ça coûte! Oula, oula, oula. Non, non, je vois pas que ça coûte, hein. T'es fou, toi. J'ai pas une thune qui rentre. Hein. qui coûte. Alors, première zone, on voit tout ce qu'il y a dans la zone, d'accord. Ok. Et ça, c'est l'autre zone que j'avais créée par erreur, qu'on peut séparer. Ok, ok. Très, très simple, hein, les interfaces, très, très bien, hein. Pour l'instant, j'ai beaucoup. Alors, les recherches, comment ça marche? Le vétérinaire cherche des... Ouh, vache. Des maladies.
la variole du singe, tularémie, tétanos, salmonellose, sarme, ouais, mort, je sais pas ce qu'on va faire comme animal, mais on va lancer un truc, non? De toute façon, faut les rechercher. Il y a plusieurs niveaux en plus, non? Niveau de recherche 1, il y a plusieurs niveaux. Oh la vache. C'est pas gagné, hein? On va commencer avec la première. Diminue la probabilité que les animaux contractent une maladie. Réduit le temps de guérison. Ok, traitement avancé. Donc, plein de virus, plein de bactéries, on va mettre ça. D'accord, ça se glisse dessus et là elle travaille. Taylor Luna, Luna qui est notre vétérinaire, hein, travaille. Donc elle apprend la bordoteléose de niveau 1. Plus 75%, ok. Bah écoute, merci Luna. Alors, recherche mécanique. Donc ça, c'est notre mécanicien, d'accord? Ah, ça veut dire qu'il faut un mécanicien pour rechercher, un mécanicien pour réparer, ou il faut faire les deux? Je ne sais pas. Abri, structure d'escalade. Alors, je pense qu'au départ, il faut travailler avec les animaux, non? Abri, structure d'escalade, c'est quoi ça? Abri, structure d'escalade. Plan niveau 1, niveau 2, niveau 3. 20 éléments. Écoutez, on va rechercher ça, parce que ça, c'est lié aux animaux. Pour la bouffe et tout ça, on verra après. Hein. Ah, les habitats aussi. Clôture. Alors. Le gabion. Chaîne, poteau en acier, béton. Électrique, versantin, verre épais. Ah, le versantin. Ah, ouais, c'est bon, ça. Ah, mais on peut pas se permettre de payer autant de monde que ça, hein, je veux dire. Ça coûte la blingue, quoi. Alors, les services, j'en ai pas. L'éducation. Éducation de visiteurs, j'en ai pas. J'ai pas de visiteurs, donc c'est pas grave. Les transports, on s'en fout. Mémoriaux, on s'en fout. Audiovisuel, on s'en fout. Bon. Oh, il y a même des panneaux et tout, là. Ah, il y a plusieurs onglets à chaque fois. Oh là 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 là. Dans les mécaniques, là. Ouais, non, ça, c'est les recherches. Par contre, les services. Demande faible. Okay, tout est ouvert. On a le transfo, on a le fonctionnement. Ça c'est quoi? Nombre d'objets couverts. Le prix à l'année. Ok, bah, écoutez, on est bon avec ça? Au début, je te conseille de faire un premier enclos afin de te faire tes premiers revenus. Le reste, enfin, oui, on va faire ça, ouais. Ça sent pas la série de 3 heures. Bah c'est ça, oui, non, Mystique. Bah non, il faut déjà 3 heures pour faire la compréhension du jeu et le premier enclos au minimum. Hein. C'est obligé. Hein. Ah, j'ai gagné un truc. Ah non, bénéfice nourriture. 500 balles. Ah non, je vais pas gagner un truc. Non. J'ai pas gagné un truc, c'est un message. Ça, c'est quoi? Création du zoo. Chronologie, ok. Ouh, tous les animaux. Oh la vache. Ok. 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 Alors, si on regardait déjà en climat tempéré, qu'est-ce qu'on a? On va regarder ce qui est dispo aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au départ de pas trop dur? Qu'est-ce que j'aimerais faire, moi, déjà? Avant de voir ce qui est trop dur. Éléphant, vipère, tortue, tigre. Tigre de Sibérie. Tapir. Oh, les tapirs, j'aime beaucoup, ça. Serpent, rhinocéros. Non. Phoque. Ah, les pans, ça peut être joli. Oh, pangolin. Un bikébac, hein. Espèce en danger critique. C'est où, ça, les pangolins? Alors, habitat naturel. Côté de la Chine. Népal. Chine, ouais. Ok. Pourquoi pas? Faire un coin Asie, quoi. Un truc qui claque, ouais. Le bikébac, quoi. Bikébac, hein, on va les appeler bikébac, hein. S'il y en a, je sais pas. Bikébac, hein. C'est les pangolins. Prends le temps de regarder un peu ce qui pourrait t'intéresser. Tu risques de te rendre compte qu'au début, tu feras... selon les stocks, ouais. Surtout le prix, ouais. C'est ça, ouais. Quand on est en franchise, hein, on partage avec l'économie mondiale. Hein. Alors, déjà, est-ce qu'on... Alors, 1 à 3. Jusqu'à 3 mâles et 3 femelles. De 1 à 3, jusqu'à 3 mâles et 3 femelles. Ça fait 6, ça. taille de groupe de mâles célibataires hors jeune. Taille groupe de femelles. D'accord, de 1 à 3 mâles, de 1 à 3 femelles. Et 1 à 3 groupes, en fait, hein, mâles-femelles. Ok. C'est timide.
promiscuité. On a la taille, la longévité, le poids. Il y a plein d'infos. Hein. On n'a pas le droit de les stériliser. Certainement parce que, je pense, c'est en haute dangerosité de disparition. Régime alimentaire. Oh vache, on peut déverrouiller tout ça, là. Faut faire des recherches. Arrêtez sur l'habitat et tout, là. Oh là là. Pangolin de Chine, cette espèce ne tire pas avantage à partager avec d'autres espèces, d'accord. Un record mondial. Lucky Exo Smoke. 87, presque un mètre de long, ouais. Andy Sandel. Il a vécu 16 ans. Bravo. Ça, je pense que c'est les éléments mondiaux hein, des joueurs. Hein. C'est cool. 2 ans et demi qui n'a pas joué, tu vas t'y remettre du coup, Laurent. Alors, on va regarder s'il y aurait des pangolins. Parce que je ne sais pas. Alors, marché, c'est ça? Est-ce qu'il y a des... Ah oui, il y a des pangolins. Oh, il y a des pangolins dans le monde des animaux, les habits. Alors, il y en a qu'on peut avoir avec des points de conservation. Et il y en a avec de l'argent. Alors, il vaut mieux les prendre avec de l'argent. Parce que les points de conservation, j'en ai tellement peu. En même temps, j'ai pas d'argent. Mais les points de conservation, ça se gagne, de ce que j'ai compris, très difficilement. Il nous faudra un mâle et une femelle. On a une femelle ici. Qu'est-ce qu'elle fait? On peut cliquer, ouais. Elle est classique, ok. 4,9 ans, 4,6 ans. Elle est moins bien en termes de taille et de... C'est les gènes, hein. Donc c'est sa capacité à avoir de bons gènes. Après, ça ne veut pas dire qu'elle va mourir parce qu'elle a 42% de gènes de longévité, hein. C'est juste qu'elle n'est pas génétiquement aidée, mais ça ne veut pas dire qu'elle va mourir. Une petite jeune de 1 an. Par contre, elle n'est pas fertile du tout. Mais est-ce que c'est lié à l'âge? Ça, c'est depuis combien de temps ils sont présents? Ah, elle est pas mal, hein. Je veux dire, comme femelle, franchement, elle est pas mal. Hein. 300, est-ce que je peux la prendre? Ouais. Donc, en attente, ok, on a pris une femelle de 3 ans. De 4,9 ans, pardon. Mais elle est plutôt équilibrée. Il nous faudra un mâle équilibré aussi. Lui, il est tout petit. Mais je veux dire, au départ, bon. Les stats ne changent pas avec l'âge, d'accord. Lui, il est pas mal. Enfin, il est pas mal. Il a pas une tare. Par contre, lui, il va vivre plus longtemps, donc il transmet des gènes différents, et en fonction de la reproduction, je pense que les gènes se transmettent au bébé et tout ça. Parce que le jeu est quand même poussé. Lui, il est équilibré partout. Ce qui est pas mal. Hein. Alors, ceux-là, ils s'achètent beaucoup plus cher. Hein. Regardez, lui. Ah ouais, mais il a des gènes. Regardez, lui, là. Oh. Ah ouais, lui, il est 4 étoiles, quoi. Ah ouais, mais regardez, lui, il est immunisé, il est résistant, fertile, il va vivre vieux, enfin, il est prédisposé. De Zootropolis. Ah bah, il en a pris soin, hein, Zootropolis. Hein. Honnêtement, c'est bien, hein, bravo. Ah, expirer celle-ci. Moi, je vais me contenter de quelque chose de beaucoup plus simple, hein. Alors lui est bien parce que il est petit, c'est pas trop grave, je veux dire. Il est surtout plus équilibré. Là c'est un mâle, ouais, il est plus équilibré. Donc s'il est dispo, eh ben j'en ai deux. Écoutez, j'ai Bic et Bac. Hein. Est-ce que Bic et Bac c'était un mâle et une femelle ou pas? On dira oui, on dira que Bic c'est le mâle. Et Bac la femelle. Ok, donc on a pris 2 animaux. Ils doivent être où là-dedans? Soigneur, non? Ici? Centre d'échange. On a 2 animaux sur 200 animaux. Oh là là. Il y en a, ils doivent en stocker, mais... juste pour les avoir, quoi. Après, on pourrait regarder. Hein. Est-ce qu'il y a en dispo actuellement, hein, je veux dire... espèce, non? Si on filtre pour tout. Toutes les espèces. Oh, il y a des gorilles. Gorilles blancs. Là, vous voyez, hein, ça coûte cher, là. Oh. Des lions, là, les super lions, hyper avec médailles et tout, là. Regardez ce que ça coûte, quoi. C'est un truc de dingue. La taille dans l'enclos. Oh, les pangolins, c'est
timide, hein, j'ai vu vite fait là, donc ça a pas l'air d'être des gros producteurs. Hein. C'est comme les pandas roux, tous ces animaux là sont. Parce que je connais bien les zoos quand même, les vrais, parce que je fais beaucoup de photos. C'est pas entre autres en zoo, mais en extérieur aussi. Et ils sont assez timides et peureux, donc généralement ce sont pas des gros reproducteurs. Alors, des pangolins, j'en ai jamais vu un vrai par contre. Ah, ça coûte super cher là. Regardez combien il y en a des lions là. Avec des lions dans ce bordel. Voilà, il doit y avoir de tout, mais en quantité incroyable. Les buffes. Les orités, c'était tétrope là. Ah, les tortues. Les bisons. On regarde vite fait les chameaux. Ouais, un chameau quoi. On va mettre un chameau et un tigre. Ce serait peut-être pas le bon popper team. Hein. Ouh, les varis noirs. C'est beau singe, ça. C'est pas cher en plus. Et bongo. Ah, et des gens gentils, ils les mettent pour de l'argent. Ça veut dire que finalement, des gens qui débutent comme moi, on peut les acheter. Parce que ça, déjà, 80, c'est presque notre total, quoi. C'est énorme, hein, au départ. Ah, les bonobos, quoi. Les bonobos, les orang-outans. Oh là 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 là. Et Nemo, un orang-outan. Ah, t'avais pris aussi un pangolin? C'est vrai? Les guépards, alors. Bon, j'arrête de regarder, les gars, parce que les autruches, j'adore les autruches. Bon. Donc là, il faut faire un enclos pour nos pangolins. Ok, bic et bac. On les renommera après, hein, on verra comment ça marche. Donc, à gauche, là, on a les petits stands techniques. À droite, on va commencer la zone, du coup. Alors, on va pas l'appeler Chine, Japon, Océanie, on va l'appeler Asie, hein. Parce que si on commence à faire par pays, ça va être compliqué. Hein. On va essayer de grouper quand même plus ou moins, mais pas forcément par région ou pays ou continent, je sais pas. On verra. On est toujours en pause, parce qu'il faut pas que l'argent défile. Ok, alors, allez. On va partir sur des allées... donc il nous faudra des allées aussi techniques. Donc une allée... Alors la file d'attente, je sais pas quoi elle sert par contre. Par rapport aux allées normales. Qu'est-ce qu'on va mettre pour le côté, du coup, visiteur? Ça ressemble à quoi? On va se mettre pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est des petits, on dirait des bouchons de liège, quoi. Le bois, c'est pas mal. J'avoue que le bois, c'est pas mal. Ça, c'est quoi? Alors, du béton, non, c'est... Oh, le gravier, c'est pas incroyable. Ça, c'est pas incroyable. L'Inde, avec ses couleurs. Ça, c'est pas mal. Les petits damiers comme ça, là. C'est quoi, ça? Nature avec des petites barrières. Oh, non. Non, non. Non, c'est pas... ça, ça fait très glace. Un rouge pour le sud. Allée naturelle. Allée aquatique. Hein? Ouais. Non, bah, écoutez... J'aime bien ça, moi. Les petits dallages comme ça, là, de mosaïque, c'est pas mal. Dernier type, après, tu me laisses créer tout ça. Pour juste alors laisser des coins cachés. Sinon, tu vas vite être embêté, surtout en mode difficile. Ça va être encore pire. Ah oui, oui, en difficile. Ah, vache. Ça va peut-être pas dur. Alors, on va partir sur l'accès à la zone. Donc, de là. Longueur, on va mettre une longueur de 5 mètres. On changera après s'il y a besoin. En largeur pour les gens. On fait quoi? 6 mètres? Comme ici? 6 mètres, c'est pas mal. Salut RTT, comment vas-tu? Ça me semble pas mal des allées de 6 mètres de large. Hein. On fait 8. 8 mètres, c'est pas mal aussi, quoi. 4-4, ouais. Alors, on part comme ça. Là, on va designer un peu. Alors, je ne sais pas du tout, les gars. Je ne sais pas. Hein. On va partir un peu comme ça pour l'allée principale. Donc, on peut soit avoir un angle comme on veut, soit on peut, de ce que je comprends, mettre un angle genre 15 degrés. Et ça bouche le 15 en 15, vous voyez, pour que ce soit plus précis. Si on veut faire des 15, 30, 45, pour que ça s'accroche, quoi. Alors, 5 mètres de long, 8 mètres de large. C'est quand même vachement large, je trouve. Aligné sur la grille, c'est quoi? Relative à un bâtiment ou une allée?
Ah, je sais pas bien ce que c'est ça. Obtenez à la grille d'une allée. On peut en mettre ça, hein. Je sais pas ce que c'est ça. Allez, on y va comme ça. Hop. J'en ai aucune idée, hein. Ne me demandez pas. Je ne sais pas ce que je fais, hein. C'est un premier chemin. On va le faire comme ça déjà. Ok. L'enclos, je pense pas qu'il faille le coller directement au chemin principal. J'aime bien ça, c'est sympa. Je préfère presque le chemin principal, je suis moins fan du coup. On va peut-être mettre que de la mosaïque. Comment vas-tu, RTT? Alors, comment ça marche? On va faire quoi? Des clôtures? J'ai tout ça pour l'instant. Ça, c'est des portes. Qu'est-ce qu'on a? Invisible. Définissez le périmètre d'un habitat quand une clôture n'est pas nécessaire. Par exemple, un fleuve pour les animaux qui ne savent pas nager. Ah! Ok. Pas con. Genre, des singes qui nagent pas, ils sont sur une île. On n'a pas besoin de mettre de clôture. Ok. Mais t'inquiète, RTT, c'est normal, hein, il faut prendre soin de ta famille avant tout, tu le sais très bien, voyons. Du verre, résistance 3. Résistance 3. Alors, est-ce qu'il y a un besoin de quelque chose pour ces animaux-là? Est-ce qu'on a les animaux qui... Attendez. Parce que là, je voudrais... voir les animaux. Zo. C'est où que j'ai les animaux? Ici? Non. C'est quoi ça? Carte thermique. Là. Ah, ça, c'est tout des trucs au sol, ok. Je voudrais voir les... où se trouvent les animaux, en fait. Bon, si je le prends là et que je cherche. Pangolin. Je voudrais avoir des infos, en fait, vous voyez? Je vais avoir des infos? Comment j'ai les infos? Je sais plus comment j'avais eu les infos tout à l'heure. Ah, ici, animaux. C'est ici où il fallait chercher, alors. Mais là, c'est que ce que j'ai moi aussi, c'est ça? Ah, c'est ici, d'accord, animaux. Ok. Pangolin, voilà. Est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose de particulier? Ah, ici, d'accord. Profondeur d'eau, 0. Eau requise, pas. Pas d'escalade. Terrain, 182 mètres carrés par adulte. Alors, si on fait du coup, on va dire 3 adultes, s'ils faisaient un bébé. 214 mètres carrés, c'est pas énorme. Ok. Salut, Jack, comment vas-tu? Donc, il faut un petit enclos, pas trop grand. Entre 12 et 40 degrés, ça devrait être bon. Anti-escalade, niveau 2. Alors, ça grimpe, hein? Un pangolin? Je savais que ça roulait, mais est-ce que... Je pensais pas que ça grimpait. Anti-escalade, niveau 2, 2 mètres. Comment ça marche, ça? J'en sais rien. Peut pas être escaladé. Ouais, c'est du verre, ouais. Ça peut être escaladé, non étanche. Ça peut pas être escaladé. Alors, est-ce qu'on peut quand même mettre ça? On teste, hein, les gars. Ça coûte du pognon, j'imagine. 1,20$. Oh la vache. Alors, si. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Longueur. 10 mètres. Ouh la vache, non. 5 mètres. Parce qu'ils ont besoin de 200 mètres carrés. Ça veut dire 20 mètres par 10 mètres, quoi. Hein. Attention, hein, faut pas faire un truc incroyablement grand. Hein. Parce que sinon, les pauvres bêtes, elles sont paumées dans le machin. Hein. Alors, hauteur, c'est quoi? Au plein. La hauteur des poteaux varie pour que la clôture. Le haut de la couture reste plat. Ouais. Haut irrégulier. D'accord. Au plat bas modifiable. Terrain atypique, ouais. Non, je mettrais ça. Au plat. Puisqu'on est plat au sol. Donc ça me semble bien. Longueur 5 mètres. Aligné en hauteur. Pour que sa valeur augmente au mieux en fonction d'incréments spécifiques. Non. Aligné sur l'hauteur adjacente. Incurvé. Anti-escalade, oui. Gauche, droite ou double. On verra ça après, hein. Parce que je ne sais pas ce que c'est gauche-droite. Ça dépend dans quel sens on les pose, peut-être.
Donc on ne met pas d'anti-escalade. Détermine si une section compte comme une section de périmètre de l'habitat. Oui. Eau clôturée incurvée permet d'afficher les options pour courber la partie supérieure. Non. C'est super puissant, hein. Bon, allez, on y va avec ça. Ça, c'est vachement bien foutu, ça. Donc, si on commence, genre ici. Je sais pas, les gars, on commence ici. Pas trop près pour qu'on puisse faire de la déco. Hein. Voyez, hein, parce que là, on a l'impression que c'est tout petit. Hein. Mais là, j'ai déjà 5 mètres. Hein. Donc, vous voyez, le machin, il fait 5 mètres sur 2 mètres de haut, là. C'est énorme. Hein. Ils m'ont dit... Alors, comment ça marche? Ah, je peux le déplacer. Je récupère les sous, du coup. On va voir, on est à 23 502. Ils m'ont dit 200-300 mètres carrés. Donc il me faudrait 20 mètres par 20 mètres, quoi. Ça ferait 400 mètres carrés. Ça serait déjà pas mal. Je vais faire des clôtures de 7. Non, 5 c'était bien. Et puis on en fera plusieurs au cas où, hein, c'est pas grave. Alors j'ai demandé ce que ce soit courbé. Comment on courbe? La première, elle peut peut-être pas être courbée en même temps. Alors, ça part comme ça. Oui, voilà, après ça courbe. Alors, on va suivre la route, non? On verra comment ça marche. J'en ai aucune idée, les gars. Donc là, on est déjà à 15 mètres. Hein. On va dire 20 mètres. On va faire ça comme ça. On va leur faire un petit coin ici pour qu'ils aient un peu d'intimité, peut-être. On peut le déplacer après, certainement. Et je vois qu'il y a des outils là pour modifier des trucs. Hein. C'est marrant le bruit, vous avez vu hein, quand on plie. Ça fait le but du bois qu'on plie, quoi. Et je suis carrément trop grand pour des pangolins, quoi. Oh, je suis trop grand. Hein. Je suis sûr que je suis beaucoup trop grand. Parce que là, vous avez vu la taille que j'ai fait, là. Le nombre de sections. Il y a au moins 40 mètres sur... Salut Jesperson, comment vas-tu? Je pense que je suis beaucoup trop grand, les amis. On va voir, hein. Bon, je pense qu'on a les infos après. Alors, on peut repartir un peu comme ça pour... Oh, j'ai fait une bourde, ça s'est arrêté. Je peux cliquer là et reprendre. Ouais, nickel. Alors, est-ce que je peux supprimer ça? Oh, oui, c'est trop cool hein, la construction. On va réduire un peu la longueur. 3 mètres. Parce que je voudrais, vous voyez, pouvoir faire quelque chose de plus comme ça. Pour avoir une phase d'entrée aussi publique, enfin une vue publique, et là une entrée peut-être personnelle. Que le personnel soit pas embêté aussi pour pénétrer. Alors, ça a une forme de tête de bestiole, il manque un œil. Comment on peut avoir des infos? Modifier la clôture. Oui. Il faut peut-être mettre une porte pour que ça soit vu comme un enclos, non je sais pas. Entrée habitat en bois. Entrée visiteur. Entrée habitat. Ça sur rail. Visiteur. Donc ça, c'est pour les staffs techniques. Je suppose, non? C'est ce que je voulais, en fait, mettre quelque part par ici. Le staff... En même temps, est-ce que le staff technique, je le mets devant? C'est peut-être pas une bonne idée, hein. Une forme quelconque, tu dirais plutôt. Lol. on pourrait plutôt avoir là un petit chemin qui repart. Pour que les gens puissent les voir de ce côté-là. Du coup, peut-être le staff technique ici. Ouais, on va peut-être faire ça avant. Est-ce que je peux me reprendre là? Il garde les mosaïques ou pas? Oui, il garde direct les trucs, 8 mètres. Ça garde direct, hein. Ça c'est plutôt pas mal. Ça me semble vachement large quand même, non? Ça me semble large comme, comme truc, hein. Par rapport... pourquoi ça fait que 4 mètres de longueur? C'est pas possible, ça. Alors que j'avais des portions de 5 mètres, là. J'ai fumé des trucs ou quoi? Ça me semble trop large pour des chemins visiteurs, ça, non?
sais pas, les gars. Alors, pourquoi il m'a mis un bidule, là? Là, le machin, il est changé. Ça ne me va pas. Enlève cette portion-là et remets-moi une portion droite. Merci. Comme ça, je peux le mettre où je veux, vous voyez. Mais ça me semble super large, hein, pour... On va voir, hein. Si on fait comme ça. Voilà, si on fait comme ça. Le plus court. Alors on va réduire un petit peu ça. C'est pas easy, hein, je découvre. Hein, je... Voilà. Si on fait un truc comme ça, ça me semble vachement large, quoi. Parce que là, ça me semble super large. Hein. Là, je trouve qu'il est plus large que l'enclos, quoi. Bah, c'était quelle taille, ça? C'est la même taille, non? Non? Ça, c'était quelle largeur? 6 mètres, j'avais fait, peut-être. Alors, on efface ça. J'avais fait 6 mètres de largeur? Je sais plus, les gars. On peut copier peut-être ça pour reprendre? Non, je sais pas. C'est pas easy quand même là, parce qu'à chaque fois je fais échappe, clic là. Non, il est en train de me... Ouais, je remets une portion. Pas que je parte trop près, en fait. Ça me semble encore large, mais j'ai pas l'échelle, hein, donc... Si on le fait comme ça. Si on met, genre, le staff technique ici. Pour que ça se voit pas. Comme ça, les gens le voient pas. On va regarder, hein, je... Entrée en clos. Donc là, on met l'entrée pour le staff technique. On le met là. Non, impossible, plusieurs entrées à l'habitat. Ah oui, c'est là, il me faudrait un chemin, du coup. Ok, allez. Allez, personnel. En rouge. Elle est bleue, là. Pourquoi elle est bleue, la première? Non, je peux la remettre en rouge, ouais. Et là, je le fais comme ça. Comme ça, là, ils peuvent pas y aller. Au pire, fais-le comme tu sens, et après, lorsque les visiteurs arriveront, tu te rendras mieux compte, on pourra modifier. Oui, voilà. On pourra modifier, je pense que ça me semble large, hein, je sais pas. Alors, du coup, est-ce que c'est vu... Ah, voilà, c'est vu comme un enclos. Qu'est-ce qu'on a comme superficie là-dedans? Parce que là, c'est moche, hein. Oh, c'est très moche, ça. Ça me semble beaucoup trop large, quoi. Général, la propreté, ok. Est-ce qu'on a la taille? Zone terrestre, 500 mètres carrés. Oh, 500 mètres carrés. Ça me semble... ouais, petit. Ouais, les gens sont quand même pas si larges que ça. Je pense que c'est, ça va pas, ça. C'est... ça me semble trop large. Le pogola n'a pas de dents, lol. ça va pas du tout, ça. Non, ça me plaît pas. C'est horrible. C'est horrible. Ça me plaît pas du tout. C'est très collé au truc et... ça me semble hyper large. J'ai pas l'impression que ce soit esthétique, quoi. Pourtant, on est sur... ouais, 6 mètres de large, c'est trop. On va mettre 4 mètres, les gars. 4 mètres de large. C'est le minimum, mais ça me semble bien pour les enclos. Hein. Regardez, c'est plus visuel comme ça, hein.
Là, comme ça, on va pouvoir voir si on peut leur mettre des vitres ou quelque chose. Je sais pas comment ça marche. Donc, ça me semble plus visuel. Là, on va modifier. Du coup, on est comme ça. On va modifier l'enclos, là, parce que ça, ça va pas non plus. Est-ce que je peux supprimer un morceau? Ça. Je peux l'enlever, quelque part? Je sais pas. On peut déplacer... Ah, je peux la déplacer. Ouais, non, mais je voudrais modifier, en fait, l'enclos. Si je clique comme ça, voilà. Ah ouais, non, c'est super bien foutu parce qu'on modifie tout ce qu'on veut, quoi. C'est... Il faut s'habituer, mais c'est super bien foutu. Ouais, 4 mètres, c'est suffisant pour une allée simple. On va refaire en fonction, peut-être, du chemin. On n'est pas rendu, je vous l'avais dit, hein. 4 heures, c'est un minimum. Pour créer le bordel. Enfin, un live, ça va créer un seul truc. Longueur 3 mètres, ouais. On va passer en courbe. On va leur faire un petit coin ici où ils peuvent se détendre. Pas trop comme ça, non. Les modes de construction sont quand même super bien foutus. Parce qu'il faut qu'ils puissent les voir, en fait. On verra. De toute façon, j'imagine qu'on peut le modifier tant qu'on veut. Ça donne quelque chose de pas droit, ce qui est plutôt cool. J'aime bien. Ouais. Parce que ça joue aussi, voilà, hein, c'est normal. Si on monte de 6 mètres, du coup, ce serait peut-être mieux. Voilà, d'ici. Faut vraiment s'habituer quand même, hein. Parce que les courbures, faut s'habituer aux courbures, en fait. Je voudrais, vous voyez, aller un peu plus loin pour qu'ils aient un peu plus d'espace. C'est le premier enclos hein, qu'on puisse designer quand même un peu plus. Comme ça. Donc ça, on supprime. On leur donne un petit peu plus d'espace à nos amis pangolins. Ça, c'est trop long. Voilà, ça me semble un peu mieux. On va reposer la porte du coup technique par ici. Comme ça, on mettra de la déco, les gens la verront pas. Genre ici, on y va. C'est le temps de s'habituer, hein. Ne m'en veuillez pas les amis, hein. C'est... Je la mets très bien là quand même sur le côté du coup. Hop, les gens, ouais. Comme ça, eux, bon, on la voit, hein, mais elle est sur le côté quand même. Et puis les gens qui sont là, la verront pas. Et là, on met du chemin, du coup. Allez, technique, rouge, parce que j'aime bien le rouge. On remplace, du coup, et on le relie comme ça. Hop, voilà. C'est mieux comme ça, je pense, hein. Et 4 mètres, c'est suffisant. Donc là, je dirais 6 mètres et pas 8, comme j'ai fait. Ça, c'est trop large aussi. C'est ça que je trouve qui fait moche. C'est beaucoup trop large. Alors, qu'est-ce qu'on a comme taille maintenant ici à l'intérieur? On avait 500. On a 816. Voilà, ça c'est parfait. On a de quoi comme ça faire de tout. Donc, il va falloir poser nos bestiaux, j'imagine, pour voir un peu. Alors, comment ça marche la modification? Genre ici. J'en sais rien. Si je clique dessus, modifie la clôture. Wow. Okay. Non. Faut apprendre, hein. Me
modifier. Alors ça c'est quoi? C'est pour lever? Ok. Plus c'est pour ajouter. Ça c'est quoi? On tire, d'accord. Waouh. Ok. Donc là je prends tout. Je dis du coup, esti-escalade à gauche. Non. À droite. À l'intérieur, j'imagine, l'anti-escalade. Hein. Ouais. Pour pas qu'il puisse sortir. Donc, anti-escalade à droite, ok. Hauteur de clôture. On est à combien, là? On était à 2 mètres, je crois. Hein. 2 mètres. C'est minimum 2 mètres. Donc, on va mettre 2 mètres 13 pour être peinard. Pas mal. Et il faut les points de vue pour les visiteurs, oui. Il faut prendre le jeu en main, exactement, c'est ça. Dès le second enclos, on ira plus vite. Oui, j'aurai plus l'habitude des menus, de savoir comment ça marche. Bah ça, je pense que là, on est bon. Alors, fenêtre. Alors là, j'ai tout sélectionné. Si j'arrête, ok. Je refais ça. Je fais par exemple, si je veux venir ici, voilà. Et si je veux leur mettre des fenêtres là. Alors, je fais ça. Et on fait fenêtre. Ah! Là, ils peuvent pas parce que c'est pas assez grand comme panneau, j'imagine. Donc là, ils ont une vue sur l'enclos comme ça. Ok. On pourrait mettre une fenêtre ici aussi, mais là, on pourra pas parce que j'imagine à cause du fait que ce soit des petits panneaux. Ah, si! Si, si, on peut. Ok. Alors, faut mettre de la déco pour savoir où on met les fenêtres. Hein. Bien évidemment. Hein. Donc, on a mis le truc, on a mis le machin. Faut amener les animaux maintenant, j'imagine, puis regarder comment, ce qu'ils vont aimer ou pas aimer. Comment ça marche. Zoo. Mes animaux. Où sont mes animaux? Je sais pas. Là, ça charge pas, hein. C'est normal puisqu'on est en pause. Hein. Pour l'instant, ça n'avance pas, hein. C'est normal. Hein. Donc là, c'est les trucs qu'on cherche. Mes animaux sont là. Non. Où est-ce que je trouve mes animaux? Je ne sais pas. C'est pas ça. Échange d'animaux. Ils sont les miens. Animaux en attente. Ok, trouvé. Donc. Alors, attendez. Avant de faire ça, on va déjà faire un truc important. On va aller dans le personnel. Que j'apprenne. Hein. Première zone. On va, faut modifier la zone de travail. C'est où qu'on modifie ça? Je ne sais pas. Vous savez, pour introduire le truc en plus. Tu me les as volés, lol. Le temps que je construis. Lol. T'en as plein déjà. Alors, comment on modifie la zone? T'as l'onglet zone de travail dans le personnel. Alors, personnel. Ah oui, zone de travail, merci, merci. Ok, modifie la zone de travail, voilà. Donc là, il faut introduire ça en plus, c'est ça? Voilà. Donc comme ça, ils vont venir aussi travailler ici. Parce que si je mets les animaux et que je mets pas le truc, je vais l'oublier et puis... Ok. Donc pour l'instant, on renomme pas, on verra ça comme ça. Ah là, c'est pas incroyable, hein, les gars. Je pense qu'on peut faire mieux. Mais en même temps, ça donne de la vague. C'est pas plus mal. Ah, donc on revient là, on vient sur les animaux. Non, on vient sur la zone d'échange. Mes animaux en attente. On prend donc le monsieur, on a dit. On voulait le renommer, si je peux. On peut pas le renommer?
Non? Faut que j'aie des bébés pour leur donner un nom? On peut peut-être pas, je voulais l'appeler Bic et Bac. Alors on prend... Bon, on va les mettre dedans, puis on verra bien. Envoyer dans le zoo. Échange rapide. Non? C'est quoi ça? Oui, dans l'habitat. Bah, je veux les mettre en fait pour savoir justement ce qu'ils veulent. Et je prends ça. Envoyer dans le zoo, c'est quoi? Voilà. C'est ça? Livraison programmée. Envoyer dans le zoo. Ici. Livraison programmée. Ok, faut mettre template. Ah, il va aller chercher, regardez. Il va. Haha. Ils sont dans une boîte, quoi. Ah, regardez. Je peux cliquer sur le bonhomme là? Non, sur mon gars. Je voulais suivre à la caméra. Regardez ça, il galope. Hein. Donc lui, normalement, il rentre là. Ok. On est en difficile, hein, les gars. Donc je sais pas à quoi m'attendre. Hein. Heureusement qu'il y a une qui est là pour m'aider. Hein. Oui, franchement, merci. Hein. Donc là, il va le mettre dedans. Qu'est-ce qui se passe? Cette salle du personnel est trop loin, ce trajet va m'achever. Oh, bing! Oh, yes! L'inspecteur arrive dans 24 mois. T'es arrivé au zoo. 12 mois, elle arrive. La pause. Regardez-le, il est là. C'est Bic. Mon mal adulte. On peut pas changer le nom, hein. Je pense pas. Alors, il y a plein de trucs déjà là. Non, on peut pas changer son nom. Attrait, statistiques physiques, descendance, ok, ouais. Poursuivre quelqu'un, on va à droite. Mais j'ai pas vu, ouais, de. Je sais pas, on verra hein, quand on va. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont besoin d'avoir, je suppose. Bien, alimentation, nutrition, qualité des derniers repas, social, habitat. Alors, le terrain va pas. L'abri solide va pas. C'est normal, on n'a rien fait encore. On est en pause. Hein. Ouais. Ils sont beaux, hein. Regardez ça. Petit pangolin. Petit Bic et Bac. Ah, il y a le crayon à droite. J'ai pas vu. Ah oui, c'est là. Donc ça, c'est l'adulte. C'est le monsieur, ça. Hein. Ouais. Donc on va l'appeler Bic. Et on va renommer après Bac. Alors on va déjà regarder ce qu'il veut Bic. Comme environnement, qu'est-ce qu'il veut? Un abri. Le terrain ne va pas. Il veut... Alors, ça, ouais, c'est pas mal, c'est des réglettes, ouais, ça va. De l'herbe longue. Il y en a beaucoup trop. Donc, on va lui mettre de l'herbe courte. Donc, terrain. Herbe courte. Alors, intensité, taille. Oh la vache, c'est quoi? C'est pas des mètres, ça, hein? Il y a trop d'herbe longue encore. Hein. Beaucoup trop d'herbe longue. Lol. Oh, il a enlevé tout l'herbe longue. Il veut pas l'herbe longue. Bon, en même temps, il ira du sol, hein, lui, le pépère. Voilà, herbe longue, 15%. Je sais même pas où il la voit encore, hein, parce que... Il n'y en a plus, hein. Par contre, il y a trop d'herbes courtes. Ce qui est normal, parce qu'il veut aussi de la terre. Donc on va dire... Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi, ça? On a de la neige. Application auto. C'est quoi, auto? Bah, il remet de l'herbe longue. C'est la dope, ça. Pas de ça. Il a besoin de terre. Alors, on a de la terre légère, de la terre de lourde, de la roche, du sable grossier. On va mettre un petit peu de terre. On va réduire ça, c'est beaucoup trop gros, quoi. Ah, voilà. On va se mettre à 40%. Faut tester un peu les outils, hein, voir un peu comment ça marche. Alors, on pourrait avoir de la terre qui viendrait ici, finalement, de l'entrée, quoi. Alors, la terre, il en veut beaucoup. Hein.
de beaucoup. Est-ce qu'il a besoin d'un point d'eau? Non, il veut pas de neige, pas de sable, pas de roche. Un petit peu de roche, pourquoi pas. On va essayer de lui mettre un point d'eau quand même pour faire la déco, quoi. Comme ça, on va tester un peu, hein, terrain. Forme de terrain. Sculpté. Creusé. Pareil, intensité, taille, verrouillage. Verrouillage surface. S'applique ou non à la surface? Si on l'applique pas, ça fait quoi? %40 3 mètres, ouais. Ouais, ça fait quoi ça? J'ai pas l'impression que ça change grand chose. On va le remettre après, hein. C'est bien foutu, ça remonte, hein, regardez. On a plusieurs niveaux de recul, ça c'est bien. On va mettre une taille de 1, les amis. On va creuser un peu. Donc on va creuser là. Faire un petit point d'eau. Voilà. Pourquoi il met de l'herbe haute là-dedans? J'en sais rien, les gars. On va y mettre un petit peu de roche ici. On n'est pas rendu, hein. Au minimum, là. Non. Ouais, par contre, en taille 0, là, ça fait pas grand-chose. Voilà. Là, on descend un peu à l'intérieur. Il y a une roche intérieure. Ils en veulent, hein, de toute façon. On met un peu de terre dedans. On fait un petit point d'eau. Ok. T'es pas un pro, mais t'as quelques connaissances. Bah, elles me sont vraiment fort utiles, en tout cas. Alors, l'eau, c'est là. Comment ça marche? Au calme, au agité, sélectionnez l'eau, supprimez l'eau. Au calme. Ah, ok. Ça fait pas beaucoup d'eau. En même temps, c'est des pangolins. Hein. Ils en veulent pas, hein, de ce que j'ai vu de l'eau. 700 pour 180. On a largement l'espace, là. Ils voulaient pas d'eau, hein, je crois. On va regarder après. C'est super bien foutu, les menus, hein. Ça fait pas beaucoup d'eau, par contre. Oh, je peux pas en mettre un peu plus, là. Ouais, j'ai pas creusé beaucoup. Bon, ça fait le petit terrain d'eau, c'est pas déconnant. Ils ont pas besoin de grand-chose. On va lisser un peu ça. Je peux plus lisser parce que j'ai l'eau, c'est ça? Ok. Ok. Donc, si j'enlève l'eau... Ok. J'apprends, hein, j'apprends les gars, on creuse un peu plus. Parce que quand on lisse, hein, finalement... Ouais, il faut... Ok. C'est pour la déco, hein, l'eau. Hein. Ils en veulent pas, à la base. Hein. Ça lisse beaucoup trop fort, là. Hop. Ok. On met de la roche grossière. On met un peu de terre au bout. Un petit peu de terre lourde. Parce que ça va bien dans l'idée. Hein. Faire le petit trou comme ça. Hop. Un petit peu plus de terre légère ici autour. Et si on remet l'eau? Est-ce que c'est mieux? Voilà. C'est un peu mieux de ce que je voulais. Un petit peu plus profond, mais pas trop.
Bonne nuit, Jack. Ok, on est pas mal. Ah, lui, il est en train d'aller chercher la deuxième, j'ai l'impression. Alors, comment tu te sens? Au niveau de l'environnement, il y a trop d'herbes courtes. Il faut du coup... Bah, je sais pas ce qu'on lui met du coup. Plus de terre, ok. Alors là, on va y aller. Hein. Un petit peu de terre lourde ici autour. On va agrandir un peu, hop. Waouh, les tailles des trucs, c'est... Là où il circule. Parce que la terre ne les gêne pas, vous voyez, on peut en mettre beaucoup. Par contre, il y a beaucoup trop d'herbe. On va le faire un peu comme ça, en usure du temps. Ok, on a encore trop d'herbe. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'herbe. Hein. En même temps, ça ras du sol, hein, ça vit pas forcément. Ok, on va être pas mal. On pourrait leur remettre un petit peu de roche, de la roche lisse, pour partir un peu par là. Vers ce côté-là. Ok. Eh ben, on va être bon, les gars. Après, c'est le début, hein. Il va pas être à l'aise avec ça, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on y voit déjà? Là, on voit le plan d'eau, vous voyez, c'est un peu l'idée. Là, on a le plan d'eau, on a là. Cette vitre-là, je pense qu'il faudrait peut-être l'enlever. On faudra en mettre une là, plutôt, et ne pas avoir celle-ci, peut-être. On verra après. Donc, qu'est-ce qu'il leur faut maintenant? Alors, au niveau habitat, on est pas mal. Ils n'ont pas besoin de grimper. Ils n'ont pas besoin donc de baigner, de flotte et tout ça. Il leur faut un abri solide. Abri dangereusement insuffisant pour tous les animaux, oui. Donc ça, l'abri, on va le mettre un peu à l'écart. Ici, c'est un peu à l'écart, j'ai l'impression. Parce que vous voyez, là, ils voient, mais bon. Ou ici, sur la droite. Mais là, on a l'entrée, donc je ne vois pas trop ici. On pourrait le mettre là, sinon assez loin, l'abri, pourquoi pas. Ici, dans le renfoncement aussi. Ça pourrait être bien. Ok, on pourrait le mettre là, genre. Donc, en avant, on va regarder. Est-ce qu'ils veulent de la végétation? Ils veulent des plantes. Occupation, c'est... L'animal a plus de plantes et d'arbres. Alors, Asie tempérée. Comment ça marche? Nature. Filtre. Tempérée. Asie. Ah, ça s'allume en plus, regardez. Et tropical aussi, on va Asie tempérée. Ok. Surtout des caisses sous devant les vitres. Ah, dans ce jeu, tu peux bien t'amuser avec le terrain, que ce soit des petites grottes, etc. N'hésite pas à jouer. Ah. On va regarder du coup, pas de problème. On va leur mettre quelques... On va essayer de faire leur nid ici, on va essayer de faire un... Pourquoi pas essayer de tenter, bah, du coup, une grotte. Hein. Un trou, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Asie tempérée, il y a tout ça. Une vieille racine, là. Un bambou. Non, du bambou, là. Un cyprès. Ouais, non. Arbre. Pourquoi pas des petites... bambou. Après, j'imagine, quand on a des DLC et tout ça, ça ajoute plein de... Ouh, du peuplier noir. Ou c'est grand, ça, peut-être, pour des petits pangolins. Un petit peuplier noir comme ça, pourquoi pas ici? Comment on sait s'ils aiment? 4% c'est quoi? Ils aiment ça ou pas?
Comment on sait si ils aiment ou pas? Pas certain qu'il y ait besoin de beaucoup de grands arbres hein, pour eux. À 0%, 3%. Je comprends pas bien ça, comment ça marche là. À savoir s'ils aiment les plantes. Des stands de nourriture, lol. Il faut retourner directement sur le pangolin, il n'aime pas. Tu le verras en rouge. Là, d'accord, compris. Donc en fait, on voit là. Et puis, s'il n'aime pas les arbres, c'est en rouge ici. D'accord. On peut. Ah oui, on peut faire tourner aussi les petites. Donc là, ils aiment tout. Ok, pas de problème. On met des petites herbes devant, là. Alors là, on peut passer des heures à décorer, hein, les gars. C'est typiquement ça. Hein. Dire. Sootbook, là. Sootbook 4. On pourrait mettre quelque part ça comme ça. Ok, donc là ils aiment tout. Ok, j'essaye de comprendre. Donc il leur faut quand même beaucoup. Alors l'abri. On va essayer de faire un système. Donc tu me disais, on peut creuser. On va essayer de faire une caverne. On va voir si ça marche avec eux. J'en sais rien. Hein. Creuser, remettre du terrain. Aplanir jusqu'à la surface. Parce que c'est raboter. Il aime s'afficher en blanc. Ah, c'est ce qui va arriver, très certainement. Ça plaira pas, du coup, comme série. Crevasser, c'est quoi, ça? Ça fait un trou, quoi. Non, ça va. Aplanir en terrasse. Ça doit être quand on fait certaines choses en plus, parce que là... Ah, j'ai enlevé le... Undo Redou. Ok. Donc là, je pense qu'on va creuser comme ça. En taille 1. Alors comment on peut faire? Je teste, hein. Si on creuse comme ça. Je détruis tout, hein, mais bon. On remettra après si jamais en. Pas de soucis. Hein. Donc là, du coup, il va plus aimer parce qu'on a récupéré. Si. Il y a de l'herbe, mais c'est pas considéré comme de l'herbe. Donc là, si j'y mets de la terre, par exemple, pour enlever l'herbe, ça lui fait un trou, quoi. Je teste si on peut faire comme ça, hein. Je ne sais pas. Là, on lisse ça. Ok. Alors, est-ce qu'on a quelque chose pour qu'ils habitent? Habitat? C'est quoi, ça? Couchage, habitat. Moyen, petit, grand. Est-ce que ça, c'est considéré comme un truc qui marche? Attendez. C'est pas terrible ce que je suis en train de faire, hein, mais on essaye. Hein, aplanir jusqu'en fondation. C'est pour ça. On va faire un peu plus grand le trou. Pour une grotte, fait un trou et en même temps grandit ce qu'il y a autour. Oui, on va faire. Oui, on va grandir autour, oui.
Et j'essaie déjà de poser quelque chose au sol, quoi. Ok, alors ça, on va y arriver les gars, on va y arriver. Hein. On met de la terre, voilà. On peut mettre un petit peu de roche, pourquoi pas autour là. On lisse un poil ça. Ok, est-ce que là on peut leur mettre un machin? Est-ce que ça marche? Voilà, on peut leur mettre ça, genre. C'est pour tester, hein, je ne sais pas, donc. Alors, si je mets des couches comme ça. Ok, bon. Est-ce que ça leur donne un abri? Non, ça leur donne pas un abri solide. Donc ça, ils en veulent pas, hein. La grotte, là, la caverne. On va recouvrir pour voir. Mais je suis pas certain qu'ils en veuillent de ça. C'est plus ça qu'ils en veulent, je pense. Waouh. Oh vache. C'est énorme ça. C'est juste énorme. Alors, si on passe à ça, si on passe au minimum et qu'on grossit plus, qu'est-ce que ça fait ça? Ah, je peux pas parce que je suis trop loin, ok. On peut pas mettre de terre, hein. Si, on peut mettre du terrain, ok. C'est parce que j'étais à zéro, c'est ça? Non, hein, ça marche pas. Faut se mettre à deux au minimum. Je teste ça. Hein. Je suis pas sûr de ce que ça peut faire ou pas faire, hein, les gars. Donc là, on leur ferait un trou, hein, mais c'est pour voir si ça peut marcher. Donc là, on remplit. Tout cas, les possibilités de modding, enfin de terraforming, de modification, c'est vraiment impressionnant. Donc ça marche pas comme abri, hein. Parce que là, ils peuvent descendre, on va dire. C'est sécurisé dedans, mais ça marche pas. Ça fait pas un abri solide. Parce que là, ils sont plus à ciel ouvert, du coup. Mais ça marche pas. Vous voyez, ça ferait en plus une colline un peu naturelle. En lissant un petit peu, en grattant la matière, on pourrait faire un truc sympa. J'ai l'habitude en fait, Endoy, j'ai créé une map complète sur City Skyline avec les outils, donc j'ai assez l'habitude de ces outils de construction. Ils se ressemblent pas mal. Ils se ressemblent pas mal, à part quelques subtilités là que j'ai pas encore compris, mais ils se ressemblent pas mal. Là, on peut raboter du coup, je pense, de 20%.
pour abaisser un peu l'épaisseur de la matière, vous voyez. Parce que là, c'est quand même super épais. On pourrait même les faire monter dessus, hein. Alors là, par contre, je suis un peu proche, du coup, on pourra pas faire un truc incroyablement chouette. Voilà, ça fait petite caverne. Mais ça fonctionne pas comme abri. À moins qu'il faut peut-être remettre play, peut-être. Ah, si, voilà. Fallait réactualiser. Ok. Ouais, c'est ça, c'est la pause, Endoy. Ouais, c'est la pause. Fallait qu'il réactualise. On peut même rentrer à l'intérieur, regarder ça et voir dedans. Oh, c'est incroyable, hein. C'est vraiment sympa, hein. Alors c'est encore trop haut là, on va baisser la colline. On va essayer de leur faire un truc, voir s'ils peuvent monter. Alors est-ce qu'on... Là j'ai vu qu'on avait... Ouais. Il y a des animaux, habitat. Traversé par les employés. Donc les employés peuvent y aller, d'accord. Traversable. Sélectionner un animal. Ping. Donc il peut aller dans le trou, vous voyez. Il peut y aller, il peut même aller au-dessus. Mais il peut pas aller derrière là. Parce que là c'est bouché, on va essayer de faire qu'il puisse y aller quand même. Ici, que les gens puissent le voir. Ok. Donc ça marche, ça marche, ça marche. Comme ça, ils auront... Hop, 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 surtout pas ça, je sais pas ce que c'est. oula, vache. Non, je veux pas de ça. Ça, je sais pas ce que c'est encore, ça. Ils auront un bon coin, là, pour se planquer, aussi. Ok. Alors, si on reprend ça. Ils peuvent pas y aller, ici. Bon, c'est trop court. C'est pas gênant en soi, on va mettre un peu de déco. Par contre, ils peuvent bien descendre à l'intérieur. On pourrait... gratter ça un tout petit peu. Est-ce que je peux le faire en même temps? Oui! Ah, c'est cool ça. On va élargir un peu. Donc là, les gens le verront pas, hein. Ça, c'est vraiment pour les animaux, hein. Ah, c'est hyper puissant, hein, ce qu'on peut faire avec le truc, là. Donc là, on va dire que ça irait au niveau du haut. On peut continuer de raboter un peu ça, parce que c'est épais. Faut pas l'ouvrir, donc faut pas faire trop, sinon on remettra un bout, mais... Là, on va ouvrir, je m'en doutais. Voilà.
Alors, si on remet play, est-ce que ça passe? Ouais. On met pause. Il est où? Ah, il avance, hein, regardez. Alors, terrain. Il y a trop d'herbes longues, je sais. On va lui remettre un petit peu de ce qui va bien. Alors, faut lui mettre à manger et tout, hein. Il est pas fou là. À moins que tu aménages un tunnel visiteur avec une vitre pour le voir. Non, ils verront pas cet endroit. Bah, on va mettre ici des vitres, comme ça ils verront l'entrée, mais ils verront pas dedans. Comme ça, ils pourront aller se réfugier dedans sans souci. Un petit peu de roche ici plutôt, un peu de roche grossière là pour la structure sur le devant, un petit peu de roche lisse ici au-dessus, on va remettre de la terre. Voilà, on peut remettre un tout petit peu d'herbe courte pour la couleur. Sont toujours bon ou pas? Ouais, donc là ça serait pas mal. On remet un peu de terre. Regardez, c'est pas mal. Est-ce qu'on s'en sort bien pour l'instant? Alors, on va lisser à 10%. Je sais pas pourquoi il remet à chaque fois. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a une option texture application auto. Utiliser la texture sélectionnée. Voilà. Je pense que là c'est pas mal. Hein, comme c'est peut-être un peu gros comme entraînant. Mais bon. Pour un peu d'intimité quand même, exactement. Alors du coup, tac. On remet en play. Hein. Lui il va chercher le deuxième de toute façon. On est good. Plus de plantes et d'arbres. Donc ça va pas. On est à 5%. Donc on va s'occuper de ça maintenant. On va mettre les vitres ici. Modifier là. Ok. Donc on pourrait mettre des vitres comme ça. Je commence à comprendre. Hein. Hop, vitres. Vous voyez, comme ça, ils voient le trou. Ils les verront entrer et descendre, mais pas plus. C'est bien. On va lisser ça. On voit bien le truc. Cool. Ok. Alors, il faut des plantes et des arbres. Donc, nature. Clan tempéré, Asie, nickel. Est-ce qu'on leur met... Ah, peut-être une vieille racine. Ici, regardez, pour masquer un peu l'entrée. Oh, j'aime bien ça, hein. Comme s'il y avait eu un arbre qui avait été coupé vers eux. Regardez. Avec les racines qui sortent. Hop. Oh, ils aiment bien. Hein. Hop, au-dessus, comme ça, les gens le voient. Là, faut leur mettre de la déco, quoi. Hein. Donc, bon, on peut y aller, hein. Faudrait leur mettre un peu de plantes ici. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des... Ah, voilà. Du lierre pour masquer un peu le truc. Pourquoi c'est tout plat? Rotation sur point d'alignement. Hein? Lierre horizontal, bah oui. Il n'y a pas du lierre vertical? Lierre carré. Lol, c'est au sol, ça. Lierre vertical. Pourquoi tout est horizontal? Ouais, alors on peut le faire tourner, mais bon. Rotation alimentaire. Aligné sur surface. Ah, aligné sur surface. Ok.
Ah oui. Alors, si je fais ça, est-ce qu'on peut modifier un objet? Oui. Déplacer. Ok. On peut pas avoir quelque chose pour déplacer mieux? Ah, déplacement en rotation complexe. Voilà, ok. Ok. On peut copier un objet ou pas? Déplacement de surface, basculer en axe. Rotation, ok. Déplacement annulé. Construire, acheter. Ok. Dupliquer. Je le pose, je fais ça. Le déplacement complexe, d'accord. C'est peut-être plus facile à déplacer comme ça en fait. Ok. Hop. Ok. On peut y passer des semaines à faire un seul enclos, hein, les gars. Mais c'est juste ça, en fait. Hein. On peut y passer un temps de dingue. Hein. On peut y passer un temps de dingue. Je veux dire. Contrôle D, ouais, ça doit le faire. Je l'ai, on l'a dans le contrôle, ouais. Pas ici, mais là. Contrôle D, contrôle de droite D. Dupliquer déplacement complet, contrôle X directement. Donc si je fais ça, hop, j'en ai un direct en copie et je peux le déplacer. Ah ouais, direct, ouais. C'est excellent. Toujours les varier un petit peu, vous savez, pour qu'on n'ait pas l'effet copier-coller direct. Alors je pense que brut, là, on est pas mal. Si on se met au niveau d'un gars, vous voyez, on voit le truc là. Ça leur donne une belle intimité. Après, là, il faut poser 1 million d'arbres, de tout, quoi. Le petit point d'eau, il nous faudrait un petit peu de végète. Pour avoir une petite fleur, est-ce qu'ils aiment les azalées là? Ça fait très massif, ça va le faire pas. Hein. Ouais, ça c'est pas terrible. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal, ça dans l'idée, dans le coin là. Ah ouais, ça c'est pas mal. Même ici, vous voyez, comme ils y passent pas. Ça fera un peu de déco. N'y a pas le même en moins large. Aubépine 2, voilà. Ok. Y a des petits cailloux. Ouais. Okay, si on met ça, ah, ça coûte de la thune hein, tout ce qu'on fait. Alors, pam, zone traversable par les employés. Ils peuvent aller partout. Zone traversable, il est où mon pépère? Ah, ben voilà, en plus, il peut y aller maintenant. Regardez ça, tac tac tac. Il peut pas monter sur le rocher. Oh, c'est dommage ça. C'est trop? Attendez.
Ça coûte une blinde à chaque fois. Ça coûte, on dirait une souris qui grimpe. Ça coûte une blinde. Alors ils y vont pas là-dessus. Ils montent pas sur les rochers, les pépères. Ok. Ah oui, vérifier s'ils aiment. Lol. Rien n'est en rouge. Ça veut dire qu'ils aiment. Hein. Ah, les rochers, ça y est aussi, non? Les rochers, ils aiment forcément. Ah, il leur faut beaucoup plus de plantes. Hein, bon. On va pas mettre trop de roches. Ça n'a pas d'intérêt, ils peuvent pas y aller de toute façon. Et après, on peut toujours faire un petit coup comme ça, vous voyez, pour bien lier les deux. Comme ça, on voit si c'était une question de hauteur. Non, c'est pas une question de hauteur, ils veulent pas y aller, forcément. Hein. Par contre, ils montent sur la butte. Donc ça, c'est cool, hein, si jamais ils iront sur la butte. On remet en route pour que ça s'optimise. Hop. C'est bon. Donc là, il faut des plantes, hein, masse de plantes. Donc on met de la nature. Alors les orties, ça les gêne pas, mais c'est pas incroyable. Là, on peut mettre un comme ça. Pourquoi pas? Un peu de nature ici. En haut, il faudrait qu'on trouve quelque chose à mettre. Ça, c'est pas incroyable. Qu'est-ce qu'on a en petite fougère, là? Oh, c'est pas de la... Ça, c'est de la zone large. Hein. Il nous faudra un arbre ou deux, un truc en plus. Ça me semble petit. Je connais pas encore les blocs, ce qu'on peut y mettre, hein, donc je sais pas, du coup, trop... Près du point d'eau, on va pas mettre des grands arbres. Là, on pourrait avoir un arbre au milieu pour les masquer un petit peu. On va regarder s'ils aiment ça. Je pense qu'il faut remettre en route un petit peu à chaque fois. De toute façon, il va chercher l'autre. Il faut mettre la bouffe aussi. Ils aiment tout. Qu'est-ce que ça mange? Alors, optimisation, j'ai rien pour l'instant. Origine, sociale... Sa génétique. C'est où le manger? Le replay sans rediff, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Noi. Un complet sans coupure, sans ellipse, hein, c'est le cœur de la chaîne. Merci beaucoup en tout cas. Repose-toi bien, l'ami. Merci les conseils. Je sais pas où on a les trucs de bouffe. Ah oui, construction, non, on va pas s'attaquer à ça. Habitat peut-être. Ah oui, habitat. Voilà. Couchage en feuilles. Ah, on pourrait leur mettre aussi sur le dos s'ils veulent se coucher au-dessus, non? Genre s'ils veulent aller se coucher là, pourquoi pas, quoi. Je suis pas sûr, hein, mais bon. Alors, on peut en mettre un ici. On vient le sélectionner, parce que là, bien évidemment, il n'est pas bien posé. Donc, on prend le principe, on fait ça. On va, hop, le faire tourner. Ah, ça, on peut pas le pivoter dans l'autre sens. D'accord, ok. Intéressant. Les couches comme ça, on peut pas faire ce qu'on veut avec. Ouais, donc ça, faut pas les mettre là comme ça.
Ça, c'est pas bon. Ok, intéressant à savoir. Bonne nuit, Endoy. Merci encore beaucoup, l'ami. Ok, alors qu'est-ce qu'on a du coup pour la bouffe? Si je mets pangolin, ça trie? Ouais, ça trie, ça c'est quoi? Un ventilateur. Je sais pas si. Est-ce qu'on est dans le bon climat pour eux? Je pense, hein. Alors, grand abreuvoir. Donc ça c'est pour qu'ils boivent. Petit abreuvoir. Abreuvoir carré. Ah, ça c'est plus beau quand même, hein. Si ça leur va. Ça va ça pour les pangolins? Ça va pour tout le monde, ça j'ai l'impression, hein. Vache. Pangolin, ouais. 200 $, mais c'est quand même beaucoup plus joli, hein, non? En plus, on pourrait le mettre là quelque part, que les gens puissent le voir, quoi. Savez, comme ça. Donc là, ce serait le point d'eau. Volume actuel, 450 litres. Oh la vache. Ouais, mais c'est plus joli. Hein. Statue inaccessible. Pourquoi inaccessible? Il faut le... Voilà, accessible. Faut le relancer un peu. On va réduire ça. On leur met pas d'abri, du coup, on leur a fait une zone souterraine. On pourrait mettre quand même un petit abri, hein, si on voulait. Pour qu'ils aient une petite cabane. C'est pas utile, hein, du coup, mais bon. Est-ce qu'on la remet quand même? Avec un peu de déco autour. Écoutez, pourquoi pas, hein. C'est le premier, alors faut checker un peu tout le système. Salut Bixbon, comment vas-tu? Comme ça, si on met ça ici. Ah, je l'ai enlevé, shit. Un plus petit, ouais, dans le bon sens. Donc vers nous. Genre ici, ok. On pourrait y poser aussi. Donc là, comme ça, ils ont un abri supplémentaire. Si jamais ils veulent se coucher là. On va pouvoir leur mettre. Il n'y a pas besoin de couchage du coup. Hein. Ça, j'imagine que ça fait abri direct, non? Je suis pas sûr. Suis pas sûr en fait. Sélectionner un groupe d'abris en bois basique dans lequel faire l'ajout. Ok, donc là ça veut dire que si je bouge l'abri, ça bouge avec? Je teste, hein. Ouais, ça bouge avec. Sauf que lui, il bouge pas avec. Plus on l'enlève, on va redéplacer l'abri. On va faire... Ah, ouais, c'est ajouter à l'abri. On peut même sauvegarder en tant que plan. C'est puissant, hein, les gars. Sélectionnez le groupe abri en bois basique 4x4 dans lequel fait l'objet. Alors, il faut peut-être que je sélectionne ça et que je le pose après. Là, il m'en a posé deux. Je pense, hein. Oh, shit. Non, 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 non. Non, il me l'a pas posé. J'ai pas bien compris comment ajouter, hein, au bordel, là. Donc, je sélectionne l'abri. Si je rajoute un habitat. Donc là, il me met ça. Si j'en mets un deuxième, donc là, il l'a posé. Ok. Je le déplace pour être sûr. Il est bien posé dessus, d'accord, ok, c'est comme ça que ça marche. Ok, intéressant, très intéressant ça.
Ok, alors on met des petites. On regarde vite fait si ça leur plaît, ça en plus. Ah, il va commencer à être mieux lui, hein. Ça va. Les plantes, il en a pas assez, mais tout lui plaît. On est à 24% là des plantes, mais on va en mettre davantage, hein. Bien évidemment. Non, ça non. Ah, pourquoi pas un arbre d'Himalaya là. Je dis pourquoi pas. Hein. Comme ça ici. Hop. Là, il nous faudrait mettre des petites. Comme on a fait de l'autre côté, vous voyez. Du lierre. Comme ça. On va mettre un grand pont là de lierre sur le côté, si on peut. Ça fait un peu droit, hein. C'est trop droit. Ouais, comme ça c'est mieux là. Allez. On fait ça. Voilà. Non. Faut annuler. Retour en arrière. Voilà, je remets le petit bâton là parce que il faut que je sélectionne ça. Je vais m'en sortir, les gars. Je prends ça. Là, hop, c'est bon. Normalement, c'est bon. Donc là, on le modifie, lui, par contre. Déplacement, rotation, tac. Sauf que là... Je l'ai pas dans le bon sens. Donc on va plutôt. Hop, pardon. Non, c'est pas comme ça que je veux le faire tourner. Si, ou je peux le faire comme ça. Hop. On va y arriver, hein. C'est beaucoup de patience. Ouais, non, ça, il faut le refaire tourner parce que sinon ça va pas être terrible. Ok. Et on va le poser ici. Voilà, ici. Hop. On le pose comme ça, on le décale un peu comme ça. Voilà. Comme ça, on est pas mal là. On va faire CTRL-X. Ça n'a pas marché. Et il me l'a enlevé. Bon. C'est pas quand même easy, hein, mais on y arrive. Hop là, c'est mieux comme ça. Ouais, comme ça c'est mieux. Hop. On va en mettre un là et on va en mettre un plus petit. Alors comme ça. Si je prends pas le bon nac, ça va pas le faire. Voilà.
je l'ai enlevé. Je peux pas le remettre. Alors, je reprends ça. CTRL-X. Faut le valider, en fait, parce que sinon, il se valide pas, le machin. Voilà, 20$. Voilà, on est pas mal comme ça. Là, on va remettre des buissons. Et je vous l'avais dit, un live, un enclos, les gars. Et encore, hein, c'est un truc de malade, ce jeu. Pff. Un live, on a fait un enclos. Bon, on a essayé d'utiliser un peu toutes les facettes du truc, là, pour voir ce qu'on pouvait faire ou pas sur le jeu. Il y a beaucoup de gestion. Oui, on a vu qu'il y avait beaucoup de gestion, oui. Les clôtures s'abîment, les trucs s'abîment, les machines s'abîment, tout s'abîme, en fait. Après, il y a toute la partie déchets, sécurité aussi, il y a les agents de sécurité, donc il y a beaucoup de gestion. Mais on va découvrir ça en allant. Hein. Pour l'instant, on est toujours sur le premier enclos. Hein, donc, bon. Bon, un peu de couleur là. Non, ça va faire bizarre, ça va faire trop de choses différentes là. Il nous faudrait aussi des petits buissons pour le centre. Hein. Parce que là, c'est pas mal, hein, mais c'est un peu léger. Hein. Après, j'imagine qu'on va débloquer aussi plus de choses. Quand on va... Je peux peut-être le copier, celui-ci. Je l'aime bien. Ah oui, c'est parce que là, je suis dans l'abri, ok. Donc, tac. Un CTRL-X. Parce que là, on pourrait le copier genre là. Et puis on remet du coup des petites bricoles autour. Qu'est-ce qu'on a de ça? On va regarder après s'ils aiment. Ça c'est trop gros. À côté de l'abri, là je verrais plutôt quelque chose de plus... Je connais pas encore suffisamment là toutes les plantes et tout ça. Ça c'est pas mal pour mettre là autour de l'eau, pourquoi pas. Ouais, faire un petit système comme ça de feuilles dans l'eau. Alors ça va pas du tout. Faudrait quelque chose de beaucoup plus petit ici, pourquoi pas. Des buissons, quoi. On pourrait avoir un petit nénuphar sur l'eau. Ah, des roseaux comme ça peut être pas mal aussi, ouais. Parce qu'il y a un peu d'eau. On va voir s'ils aiment hein, ou pas, je sais pas. C'est trop gros ça, c'est trop gros. Un petit groupe de 2-3 nénuphars, pourquoi pas. Ok, alors, est-ce que ça leur va mieux déjà? Hop. Au niveau terrain. Donc au niveau terrain, il est good. Au niveau ici, il aime toutes les plantes. Occupation des plantes, c'est en adéquation avec ce qu'il aime. Pas de problème. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que ça donne si on regarde ici? On a le terrier ici. C'est un peu vide, mais en même temps, c'est des pangolins. Hein. Ok, de l'autre côté. L'autre côté, c'est plus vivant parce qu'il y a le point d'eau avec et tout. Hein. Ça manque d'objets, hein, quand même, ça manque de choses. Mais je sais pas encore bien connaître toutes les plantes, hein, donc c'est pas easy de choper les bonnes choses rapidement, hein, les gars.
Que même ça, c'est compliqué, hein, finalement, hein. Ne connaissant pas la taille des trucs, c'est vraiment pas easy de mettre ce qui peut être chouette, hein. Non, ça va pas. Ça peut être sympa là quelque part, ouais. Les petites feuilles comme ça sur le devant. Allez, les petites feuilles, les petits feuillus là. Ça donne un peu de vie à l'environnement ici. Ok. On n'a pas mis de... Ah si, on a mis de l'eau. Donc là, l'eau, il va venir le mettre, le bonhomme. Donc on va appeler le soigneur. Par contre, on ne lui a pas mis de nourriture. Donc quoi, il mange. Abreuvoir, abreuvoir. Mais il n'y a pas de truc pour la nourriture. Écuelle. Alors ça, on pourrait en mettre une pas loin de l'eau finalement. J'allais dire on va mettre des petites, mais des petites on va... Ah, quoi que si, pourquoi pas. On pourrait en mettre une ici. Comme ça, un peu caché pour que les gens voient quand même. Et puis une là dans ce coin-là, à côté de l'eau. On va mettre une plus grande. On va mettre deux, trois arbres à côté. Je suppose qu'ils y ont accès, hein. Ici, comme ça. Ou pourquoi pas même ici, hein. On aurait pu enlever... Est-ce qu'on peut modifier l'objet? Non, en fait ça s'est ajouté, vous voyez, et je peux plus modifier l'objet en lui-même. Faudrait que je démonte l'objet, ok, je comprends. Je comprends, on a déjà plus que 20 000 balles hein, les gars, c'est horrible. Mais des petites toupettes là, j'essaye de trouver des trucs. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme petite toupette? Ça c'est bien. Là, on peut l'enlever, ok. T'as pas encore embauché de personnel, si? Si, si, mais en plus je joue en difficile, donc j'ai super peur hein, de tout le système là. J'ai l'impression que ça va être compliqué au niveau de l'argent. C'est trop gros tout ça. Faut vraiment connaître les blocs hein, parce que c'est hyper, hyper difficile en fait de se repérer sur les trucs.
Je pense que ça commence à être pas si mal, hein. Ça reste des pangolins, c'est assez terre et désert. Donc, y a de l'animation, on verra quand on aura des objets en plus. On y va. Donc, on lance. On a appelé le soigneur, hein, de toute façon. Il va venir pour remplir l'eau, tout ça, j'imagine. Voilà, houhou, il est content. Il fait quoi, lui? Il a rien fait? Nourriture adaptée, quantité zéro. Alors, accessible. Ça y est, la deuxième, elle arrive. Et voilà, les amis, back. Bic et back, nos pangolins. Regardons un peu ça. Regardez-le, il galope. Et il a été dans l'eau quand même. Vous avez vu? Là, c'est un peu vide. On verra quand on aura quelque chose, hein, peut-être pour les occuper. Alors si on regarde, ils se plaisent ou pas? Ah bah elle vient voir, hein, ça c'est Bac. Ouais, c'est Bac, c'est madame. Est-ce qu'elle se sent bien? Alors ça lui va. Tout ça lui va. Pas de problème. Alors optimisation, j'en ai pas, hein, parce qu'il faut faire des recherches. J'ai des naissances vie adulte, 5 ans. C'est pour madame. De population adulte, ça leur va. Pas plus de 3. Hein. Ok, bah écoutez, c'est pas mal. Regardez, il y a des gens. Hein? Qu'est-ce que tu vois, toi? Ils sont là? Alors. On a que ça pour l'instant, les amis. Alors, on va ici. Est-ce qu'il y a des trucs à mettre là? Attendez, je sais pas, service. Non. Service visiteur. Ah, bah ben voilà. Tu disais du pognon, Enimo. Boîte à sous, ouais, voilà. Ah, boîte à dons, d'accord, boîte à sous. Une boîte à sous ici, plutôt ici à droite, et puis une de l'autre côté là où ils observent. Ici on a une belle vue aussi, hein, parce que ici on voit le terrain et tout, hein. Mais là on voit bien, donc on pourrait avoir une belle boîte à dons ici. Ah, là ils peuvent pas y aller, alors on va la mettre là. Ça c'est quoi? Panneau écran éclairé. Ça se pose là-dessus, ça? Ça fait quelque chose, ça? Sélectionné par défaut. C'est mis un bon bas par défaut. On peut mettre ce qu'on veut là-dessus? Oh là! Cible à promouvoir. Hein? Boutique Habitat. J'ai rien à promouvoir. Donc c'est pas ça que je veux, en fait. L'inspecteur, il va être dans 9 mois, mais... C'est pas ça. Service. Est-ce qu'il y a des trucs à mettre, là? Entrée de zoo. Chief. Écran de projection. Non, j'ai rien de tout ça, là. Je peux rien mettre pour l'instant, de panneaux, de choses comme ça. Ah, regardez, cycle jour-nuit. Ah, il vous plaît mon enclos ou pas, les gars? Ça, c'est une bonne question, hein. Oh, bah, on a des sous. Cool. 36 qui ont donné. Ouais, je pense que c'est beaucoup trop large, hein, comme aller. Alors, de la nourriture en réserve, je pense que ça y en a, oui. Alors là, il n'y a pas de nourriture dedans.
Nourriture adaptée. Est-ce que c'est parce que c'est rempli... Ah, ils vont dodo, regardez. Bic. Ils sentent bien. Pas de problème. Optimisation, j'en ai pas pour l'instant. Ils ont un grand enclos, ils se baladent tranquille. Regardez, ils sont là. Alors, on est en cycle jour-nuit, hein, parce que je trouve que c'est tellement plus joli. Il y a du monde. Hein. Eh, ça gagne de l'argent quand même, la boîte à dons, là. Mais on en perd, hein, la vache. Ah, j'en ai acheté pour 20 000 balles, là. Ah, bah, il coûte construction 18 000. Oui. Alors, dépenses d'exploitation 2 000 balles. Ouais, les dons, ils vont pas suffire. Hein. Fouch. Alors, il va falloir éclairer également tout ça, je suppose. Hein. Mais je pense qu'il faut faire des recherches pour tout ça. Hein. Alors, première zone, c'est quoi ça? Charge de travail élevée, pour qui? La vétérinaire? Alors, mais elle fait une recherche, quoi. Ah, je devrais peut-être la mettre sur le, là-dessus. Sur le pangolin, parce que là, je cherchais une maladie. Vaut mieux qu'elle cherche sur le pangolin, quoi. J'ai commencé le niveau 1, mais bon, vaut mieux chercher lui. Parce que lui, ça va nous donner, vous voyez, des améliorations de nourriture, éducation et tout, là. Alors lui, il cherche sur les abris. Ok. Ça avance un tout petit peu, hein. C'est pas... Il en faudrait plusieurs, j'ai l'impression, mais en mode difficile, on peut pas. Éducation, j'ai rien. Mais j'ai pas de haut-parleur, de panneau éducatif. Par contre, je pense vraiment que ça, c'est trop large, hein, comme route. Hein. Vous voyez, hein, là, j'ai fait le minimum. Ah, il pleut! Shit! Oui, mais des sous! 1900! Voilà, et je sais pas s'ils sont dehors ou quoi. Hein. Est-ce que la deuxième boîte à dons, elle donne les mêmes sous ou pas? Non, c'est une boîte pour chaque côté. Ok. Alors là, c'est normal, il n'y a rien d'autre. Hein. Mais quand on va faire un deuxième enclos, les gens vont passer là. Hein. Il va falloir mettre un... Oh, ça flotte, hein. Il n'aime pas la pluie. Bien-être, c'est pas terrible, hein. Parce que l'habitat... Qualité de l'habitat mauvaise. Pourquoi? Ça remonte, là. Pourquoi c'était mauvais, c'est remonté? Parce qu'il pleut? C'est ça? Oui, mais s'il va dehors quand il pleut, c'est mouillé, c'est normal, j'y peux rien, moi. On n'a pas d'optimisation pour l'instant, hein, donc... c'est comme ça, hein. Bon, on a un seul enclos, ça a fait un live, les gars, hein. Un live par... Ah, c'est la grosse tempête, hein. Regardez ça! Pauvre machin là! Alimentation. Qualité, bah forcément la qualité n'est pas incroyable. L'essentiel déjà c'est qu'ils en aient. Parce que là il n'y a rien dedans. Hein. Vas-y, Rabita. C'est quoi ça? On a une bonne vue sur le pangolin. J'aurais voulu rester plus longtemps. Ils semblent mourir de froid. Ah ah ah! Ça c'est possible. Attendez. C'est quoi sa température adéquate? Attendez. On va regarder. Animaux. Non. Ici, animaux, pangolins.
entre 12 et 42 degrés. Ok. À la trappe, à 10 centrés, c'est la boîte à dons, lol. Quelle température il fait là? Comment on sait la température qu'on a? Ah, 11 degrés. Ah. Est-ce qu'on a des trucs à mettre pour du chauffage? Ventilateur. Un chauffage, yes. Oh la vache, ça fait une grosse bulle, hein. On peut le cacher là? Tu le mets là? Et puis, à température actuelle, portée 20. Aïe, on va réduire un peu, attendez. Ouais, mais je sais pas. Température actuelle, on va mettre 20 minutes. 20 parce que ils veulent entre 12 et quelque chose. Comment je sais où ça porte, ça? Ça coûte rien pour l'instant. Température 11, je veux 20. Quelle était la couleur? Gris boîtier, non, non. Opérationnel, oui. Je sais pas, moi. C'est quoi la portée du truc, là? On va le cacher à l'arbre, là, mais... On va le supprimer, le machin, non, c'est bon? Je vais le supprimer, 37$, je perds un peu d'argent, mais j'essaie de comprendre comment ça marche. Je mets au milieu de l'enclos. Comment on sait la portée du truc, quoi? Parce que la température... Ah oui? On est en play? Ah non, on n'était pas en play, c'est peut-être ça. Ah, ça chauffe, regardez, d'accord, ok. Je dépense sans compter, bah oui, c'est parce que j'avais pas mis en play, 17. Donc le pangolin va être mieux, hein. Est-ce que c'est suffisant, une seule de... De barrique là, que je devrais peut-être le déplacer. Ah aussi la bulle bleue, elle est énorme. Hein. Ici, ouais, si. Et est-ce que je peux le mettre dans le sol? Pourquoi on le voit pas? Ah, par contre, je peux plus le sélectionner moi du coup. Ce qui est très con quoi. Comment je la récupère maintenant? Ouais. Voilà. Donc là, 19 degrés, je le mets à 17. Portée de 20. 17 degrés, c'est bon? Je pense que c'est bon, hein. $3000. Ça nous en a coûté 18 000, mais bon, on a un enclos qui est pas si mal, je pense. Est-ce qu'il y a de l'eau? Il n'y a pas d'eau dedans, quoi. Accessible.
ça se fait, ça. Habitat. Zone traversable. Par les employés. Ils peuvent y aller, hein. Je vois pas pourquoi ils ne rempliraient pas. Traversable par toi. Tu peux aller partout. Tu peux aller manger, boire, aller dans le petit dodo, pas de problème. De toute façon, t'y vas. Tu peux monter sur ta colline. Je pense qu'on est pas mal. L'optimisation, j'en ai pas, c'est normal. Pour le reste, il est à 50% par rapport à l'optimisation qui est à la ramasse. C'est pas si mal. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Partenaire actuel, back. Ben voilà. Social, ok. Non, on est pas mal. Ah, 520, donc il y a eu un reset. Est-ce que c'est du coup ils ont rempli? Non, ils ont pas rempli l'eau ni la bouffe, quoi. Ouais, ça met pour une nourriture adaptée, mais il n'y en a pas dedans. Je sais pas pourquoi. Si on appelle... je sais pas pourquoi choisir Habitat. J'ai peut-être oublié un truc, là. Ah, ça y est, il arrive. Faut le temps, en fait, que le nouveau mois commence. D'accord. Voilà. Il va remplir le tout ou pas? Mais t'es épuisé, t'as qu'un enclos. Arrête. Il remplit même pas le tout. Il est épuisé, non mais c'est une blague. Le machin il fait rien. Le machin il fait rien quoi. Alors, je sais pas, il en a mis là. Allez, il mange. Hein. Ils sont là, nos petits pangolins, regardez. Hein? Qu'est-ce que ça dit? Oh, un joueur en visite. Salut. Salut. On gagne des points, du coup, en saluant. Cool. ...220, ok. C'est un joueur. Il s'appelle Carré. J'espère que t'aimes ce que tu vois. Hein. N'hésite pas à faire un don. Hein. Faites des dons, les gars. Donc là, il y a 1 kg sur 2, ok. Là, il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, ça m'est adapté et tout, mais il n'y a rien dedans. Ah ouais, c'est adapté à l'animal. Hein. C'est nous machin requis là, mais il vient pas le bordel là. Ah, ils sont pas fatigués, hein. Ils ont une maison de repos là. Salle du personnel inefficace. Capacité 1 sur 4, pourquoi inefficace? On peut récupérer ici l'énergie plus rapidement. On va mettre ça. On va payer à l'année. Hein. Bon, on l'a fait la poignée de main là. Efficace. Inefficace. Cabinet vétérinaire. Pourquoi? Pourquoi c'est inefficace? Là, je comprends pas. Il y a un animal, vous n'allez pas me dire qu'il faut en mettre plusieurs, quoi. Là, elle recherche sur les pangolins. Personnel, aucun. Faut mettre quelqu'un là-dedans. Attendez, je comprends pas, là.
J'ai peut-être oublié de faire quelque chose. Hein. Agent d'entretien, soigneur, on en a un. Ah ouais, mais le veto, il est occupé là à chercher, mais bon, j'en ai pas besoin, ok. Soigneur, j'en ai un. Elle est complètement usée. Mais elle a rien foutu. Comment elle peut être usée? Elle a rien fait, quoi. On va faire une sieste. Le mécano, il cherche, il fait des recherches. Mais le soigneur, il fait rien, lui. Est-ce qu'il fait des recherches, le soigneur, là? Recherche vétérinaire, non, c'est la veto. Mécanique, le soigneur, il fait rien. Elle est arrivée, elle est où? Inspectrice. C'est qui? Ah, c'est elle. On la suivre. Bah je sais pas, mais là, il y a deux pauvres animaux, quoi, je veux dire. Oh, c'est déjà abîmé, là. Ah, vache. Une alerte. La nourriture disponible est très faible. Ah non, mais... Attendez, c'est la merdasse là, c'est pas possible hein. C'est quoi cette connerie là? Le soigneur, il va faire une sieste, hein, mais il arrive même pas à y aller. Où est-ce qu'il est là, ce mec là? Et il y met 2 heures à aller faire une sieste quoi. Je prends un soigneur, hein, c'est pas possible autrement hein. Inspecte l'habitat 2, bah vas-y. Hein. Et là, les murs ont l'air abîmés. Oui, bah, je voudrais bien réparer, hein, mais je ne sais pas comment on fait là. Entretien. Zone de travail, première zone. Nombre de fois où la cabane a été utilisée pour remplir le stock de nourriture. Hein. Je comprends pas tout, les gars. Visite de routine, mécanicien tous les 3 mois. Je peux demander un mécano là parce que. Mécanicien requis. Appelez le mécanicien. Ah, mais lui, il peut pas venir, il fait des recherches, si? Ah, si, il vient quand même. D'accord. Ah, j'appelle tout le monde là parce que. Il y a un truc qui. Ils sont en train de crever la dalle là. Ah, ça y est, il y a de l'eau. Ça y est, ils ont de l'eau, là. 400 litres, ok. Nourriture adaptée. Le rapport est prêt, oulala. Salut, madame. Le mécano, il va réparer, sûrement. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle nettoie. Elle a enlevé la bouffe? Je comprends rien, les gars. Salut, gameplayer. Bonne soirée, Jasperson. Merci, l'ami. On lui répare?
Elle a enlevé la bouffe. Le machin, elle est vide maintenant. Ah, elle a pas de bouffe, elle a pas de bouffe. Ça, on va l'enlever là parce que. Là, c'est pas un appel soigneur. C'est, je capte pas le truc. Hein. L'inspecteur, déjà dans 9 mois, mais elle vient de se barrer là. Elle met pas de bouffe hein, dans le bordel. Hein. Regardez. Dominique. Salut Dominique, merci. $3,400, alors il y a pas mal de dons, on a des entrées. Hein. On est en positif, c'est bien. Heureusement qu'il y a des dons. Mais bon. Alors l'enclos, tout ça, ça lui plaît, hein, mais pour l'instant. Nutrition 100% parce qu'il a mangé. Je sais pas comment c'est calculé, hein, mais il n'y a pas de bouffe dans le bordel. Oh, pangolins vont s'accoupler. Lol. Ça va bien, bah c'est cool. Bon, ça veut pas dire qu'elle va être enceinte, la dame. Hein. La cabane, j'en sais rien. Je vois pas pourquoi. En même temps, je sais pas. Hein. Qu'est-ce que ça me dit, là? Propreté, 98. Statut de la clôture, 92. Ça me dit pas qu'il n'y a pas de bouffe. Hein. Fourchette, température 16 à 21. Donc c'est bon. Là je suis pas sur les animaux, je suis au global. Depuis la dernière visite, 0 mois, 2 mois, 1 mois. Donc tous les 3 mois, le veto chaque mois, le soigneur chaque mois. Ils viennent mettre de la bouffe qu'une fois par mois, j'ai l'impression. Hein. On va les faire venir chaque mois. Il hein. Y a qu'un seul enclos, ils vont pas être débordés, c'est pas possible. Hein. Se repose, ouais, il récupère pas vite son énergie, lui, ça lui prend un mois là, à récupérer l'énergie. Je sais pas comment le jeu il tourne en termes de cycle. Hein. Mais enfin, l'heure avance pas vite. Mais ça se trouve, ils ont besoin de nourriture qu'une fois par mois, les animaux. Ça, c'est possible. C'est possible. En nourriture disponible, c'est quand même en rouge. Hein. Là, je sais pas pourquoi. Tout est bon, sauf ça. Hein. Qualité 1, on n'a pas mieux, hein. On verra plus tard, mais je veux dire. Ah, recherche quoi là? Vétérinaire terminé, cool! On en a appris davantage. Oui, il y a beaucoup de recherches à faire sur le pangolin. Un niveau de recherche.
Eh ben, on va continuer avec ça. Du coup, on a optimisation alimentaire de niveau 2. Et là, on aurait une amélioration ludique. Ça, c'est cool. Le veto, il est pas si mal. Du coup, on peut modifier, je suppose, ici, l'alimentation, que ce soit de meilleure qualité. On va regarder. Ouais, c'est plus cher, mais franchement, ça vaut le coup. On passe en niveau 2. Il n'y en a pas. Sinon, c'est automatique, hein, je sais pas. Quantité 0, quoi. Appeler, soit... Je comprends pas le choisir habitat, là. Ah, c'est pour choisir habitat par rapport à l'objet qui est dedans, c'est ça? Donc là, si je choisis l'habitat, ça choisit toute l'ossature, en fait. Pour que j'ai des stats complètes, ça doit être ça. Ok. Parce que là, ils peuvent y aller, hein. Je dis pas de conneries, hein. Traversable. Pas les employés. Ouais, les employés, ils peuvent y aller. Après, ils n'accèdent pas au truc, mais c'est normal, c'est le plateau. Il marche pas dessus, quoi, c'est ça que ça veut dire. Ah, il y a des caca, hein. Attention, hein. Bon. C'est pas super clair, hein, pour tout ça, là, certaines choses. On a gagné pas mal de dons, là. C'est vraiment cool. On a fait un bel enclos en même temps. Hein. Quand il y aura un deuxième enclos, ça ira mieux. Hein. Regardez ça. Ils sont là-bas. Ah, il va monter au-dessus. Regardez ça. Ah, là, il fait le petit tour. Hop, pour pas qu'on le voit rentrer. Bon bah écoutez, on va y réfléchir. Si quelqu'un sait pourquoi ça se remplit pas, ils sont venus mettre de l'eau quand même. Hein. Mais ça, ils en mettent pas. Ah, ils meurent pas de faim pour l'instant, j'ai l'impression. Même si ça dit que c'est en rouge. 69 dollars par remplissage de nourriture. Alors, si on regarde, est-ce qu'on peut le voir là-dedans, achat? Non. Électricité, 1200 balles d'électricité. Nourriture pour les animaux, 63. Ça a été payé. Ça a été payé, hein, donc... peut-être que c'est pas dedans, mais qu'ils l'ont, hein, je sais pas. Alors, on va faire une sauvegarde. Hop. Et puis, les amis, on va s'abandonner pour ce soir. On a fait un live, un enclos. Il n'est pas si déconnant hein, pour les pangolins. Ils sont là, mes pépères. Il a faim. Bah, il a faim. Il n'y a rien à bouffer. Alors, attendez. On va dégager ça. On va en remettre un parce que ça se trouve, c'est le truc qui déconne. Hein. Voilà. Et on appelle le soigneur en urgence. Parce que là, il n'y a pas à bouffer. Hein. Donc là, elle prépare à bouffer, ok. Je regarde comment ça marche. Hein. Alors, elle prépare à manger, je pense. Est-ce que c'est... Ah là, il est en train de boire, donc ça c'est bon, ça c'est accessible. Là, je me demande si c'était bien accessible pour eux. On l'a reposé, on va voir. Parce que ça fait pareil, hein.
Là, il n'y a pas à bouffer, hein. Ils vont crever, hein. Elle arrive. On va voir si elle remplit du coup. Peut-être qu'elle était mal posée ou je sais pas. Et que du coup c'était pas, il n'y arrivait pas, hein, je sais pas. Ah ouais, là elle y arrive. Apunoma, ouais. Elle en a mis que 2 kilos sur les 8, quoi. Riz et lard, verre de farine, grande écuelle. 2 sur 8 kilos. Et pourquoi elle remplit pas? Ouais, je veux bien qu'elle remplisse, hein. Voilà, il y a à manger quand même, hein. Il avait faim, lui, regardez ça. M'étonne, il avait la dalle, hein. Je pense qu'il faut en mettre une deuxième, hein, parce que là. On va en remettre une deuxième, hein, les gars. Je pense que ça avait merdé, et puis. Hein. Et on la rappelle, hein. Parce que là, je veux qu'elle revienne direct préparer de la bouffe, hein. Bon, faut pas qu'il manque de bouffe, hein. Ah, elle a pas sa gamelle à bouffe, elle fera rien. Voilà. Elle va rien mettre là-dedans. Je comprends pas bien le truc, hein. Écoutez, on en met deux. Je sais pas comment ça marche exactement. Il reste plus qu'un kilo. Ça veut dire qu'ils vont crever la dalle très rapidement, mais on verra. Pour l'instant, ils ont mangé. Donc on fait une sauvegarde, les amis. Merci d'avoir été à mes côtés ce soir pour ce live découverte, on va dire. Découverte des, bah, du jeu, de la construction, des menus. Je trouve qu'on s'en est pas trop trop mal sorti pour un premier zoo. On a pris notre temps, hein, faut être honnête. On a pris notre temps, premier enclos, on a creusé, on a essayé de comprendre les outils, les mécaniques. On n'est pas si mal. On complémentera quand on aura des recherches qui nous donneront des objets complémentaires, hein, pour les pangolins. On ajustera à ce moment-là l'ensemble. J'ai des petites questions sur pourquoi ça se remplit pas, pourquoi là elle met pas de bouffe, alors que je l'appelle. Si vous avez des réponses à tout ça, n'hésitez pas les amis, je suis preneur. Hein, pour mieux comprendre les enclos suivants. Donc prochain enclos, on va le poser ici à côté. Et on fera une déviation et puis hop, on le fera ici à côté. Comme ça, on aura un premier double d'enclos. Comme ça, en suivant la forme. Ça serait une bonne idée. Et on aura du coup ici un visuel, pour que les gens ici puissent voir des deux côtés peut-être. Ce serait intéressant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit pour ne pas perdre le contenu de la chaîne, si jamais vous ne suivez pas l'intégralité de mes séries, ce qui est normal. Et vous pouvez également souscrire à la chaîne sur YouTube maintenant, ce qui me permettra de continuer à vous offrir ces gameplays quotidiens sans publicité. Vous n'avez aucune pub sur les lives, aucune pub sur les rediffusions, tout est intégralement disponible, pour votre plus grand confort, quel que soit le support. Merci à tous les amis, donc surtout si vous avez des réponses à ces questions. On est en mode difficile, donc les animaux sont susceptibles de très vite partir en cacahuète. J'aimerais éviter les soucis si j'ai fait quelque chose de mal avec les écuelles là, pour la bouffe. Je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, si vous savez. Pourquoi est-ce que ça se remplit pas? Est-ce qu'il faut mettre plus d'employés? Comment ça marche? L'enclos est pas mal. On fera mieux. On fera mieux dans les prochains. Après, ça dépendra aussi des animaux. Si on aura d'autres animaux aquatiques, marins, enfin, je sais pas vers quoi on ira. On n'a pas beaucoup de moyens, hein, parce que ça coûte cher quand même. On a claqué 20 000 hein, pour faire l'enclos. L'EDF coûte cher, tous ces systèmes-là coûtent cher. On le voit dans le budget. Hein. Vous voyez, on est en négatif, hein, parce qu'on a quand même, par mois, pas mal d'exploitation. Heureusement qu'on a la boîte à dons, qui permet de passer en positif, hein, mais bon. On a une recherche terminée sur quoi? Sur les structures. Ouais, qu'est-ce que ça nous donne, ça? Abri d'escalade. Pas mal.
On pourrait peut-être mettre autre chose du coup. Alors les thèmes pour l'instant on peut s'en passer. J'en ai un peu, je pense. Ça serait pas mal aussi. Je sais pas. On va peut-être continuer quand même avec les abris structures pour les animaux. Parce que ça sera un bonus pour les animaux. Elle continue avec le pangolin. Elle est presque arrivée au niveau 2, ce qui serait pas mal. Pangolin va s'accoupler. Allez, on finit sur une belle chose, les amis. Et les gens voient en plus, regardez, ils voient les pangolins s'accoupler. On aura peut-être bientôt un bébé, hein. Allez savoir. C'est super joli, hein, en tout cas, un pangolin. Big et back, hein. Le jeu est magnifique, hein, dans les animations, dans les animaux, dans les objets. C'est vraiment très très chouette. Hein. Elle va à l'abri ici dehors, hein, pour pas aller à l'intérieur, regardez. Elle est à l'abri de la pluie, il fait pas froid. Elle peut faire une petite sieste, hein, tranquille. Elle a raison. Hein. Elle a raison. L'alimentation est intéressante maintenant qu'on est passé de niveau 2. Tout ce qui nous manque, c'est de l'optimisation. L'optimisation, mais ça, je peux pas le faire parce que bah, j'ai rien de ludique, quoi. J'ai rien pour l'instant de tout ça. Ça viendra quand on aura fini les recherches. Hein. Vous voyez, il y a largement de quoi. Hein. 66 hein, pour ça, pour les jeux, les occupations. Et puis, encore 2 pour l'alimentation. Salut Mathéo, Planezo est vraiment chouette, hein, ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ah bah je le prends, il s'en va le monsieur. Sous cette pluie. La dame, qu'est-ce qu'elle voit la dame? Ah c'est encore abîmé l'enclos, hein. J'aurais dû prendre un parapluie, ouais. Il faut que je mette une boutique de parapluie, hein, parce que qu'est-ce que ça flotte, là. L'enclos, il est encore abîmé, hein. On a une bonne vue sur le pangolin. Il aurait voulu y rester plus longtemps. On arrive à peu près à distinguer. Mais oui, on les voit bien, ouais. Ah là, elle dort là-bas, hein, puis lui, dans sa tanière, il a vu la flotte, hein. En tout cas, les amis, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Dormez bien, reposez-vous bien. Et on se retrouve demain, donc normalement demain 13h30 pour le live café. On sera certainement sur RimWorld pour continuer l'aventure. Et je pense que demain soir, on reviendra sur Planet Zoo pour faire un deuxième enclos. Essayer de comprendre. Ah oui, c'est vrai. Alors ça dit quoi? Propreté plein, éducation zéro. C'est normal, je n'ai pas encore de quoi. Donc voilà, donc on a 3, hein, moyenne. Franchement, je suis assez content. Je suis assez content, l'inspection à 3 c'est pas si mal. Hein. Par rapport aux moyens que j'ai là, on vient d'ouvrir, c'est pas mal. Regardez, il rentre dans sa tanière. Donc en tout cas les amis, merci beaucoup. Bonne nuit à vous, on se retrouve demain. Ciao ciao.